Alors, bonjour messieurs et dames. D'abord, on va commencer par nous excuser, hein, nous excuser du retard accusé. Bienvenue à cette première édition donc, du Salon des nouvelles technologies de l'émergence. Et c'est un honneur pour moi, Babadem, de pouvoir animer avec vous cette journée. Cette journée, en sachant que cet événement a été organisé et surtout vu par notre groupe, le groupe qui vient du Sénégal, Sen Investment, et donc dont leur projet est surtout de vouloir accompagner et présenter des investisseurs aux talents locaux du Sénégal, aux entrepreneurs locaux au Sénégal, mais aussi au niveau de la diaspora, en sachant que ceux qui ont initié et ceux qui ont créé Sen Investment viennent de la diaspora. Donc pour ne pas tarder, pour ne pas trop tarder, nous allons donner d'abord la parole au président, au CEO de Sen Investment, Monsieur Cheikh Abbas Barrow, qui est là et qui va faire le mot de bienvenue. Donc, sous vos applaudissements, Monsieur Cheikh Abbas Barrow. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul général, monsieur le président du Club diplomatique international Afrique, madame l'administrateur du FEZ, monsieur le coordinateur et DG des parcs technologiques et numériques, monsieur le président Khipil Khol, messieurs les investisseurs, monsieur les jeunes entrepreneurs, Monsieur et Madame, distingués invités, bonjour. Poussé par son démographie galopante et son ambition d'émerger, notre Sénégal fait face à un déficit en investissement par la jeunesse. Fort de ce constat, 6 personnes, dont 5 associés, 2 Sénégalais de la diaspora, je cite M. Boubacar Dembo-Sagna, opérateur économique, M. Cheikh Tidiane Seck, consultant finance et expert en marketing digital, M. Kiran Shungan, de nationalité indienne, investisseur et chef d'entreprise, M. Mohamed Youssouf Hassan, de nationalité saoudienne, chef de firme, et moi-même, ingénieur informaticien et consultant international en finance, avons décidé de créer Sen Investment Group, une structure de droit sénégalais et français créée pour œuvrer dans le développement stratégique et la promotion
du savoir-faire sénégalais par les nouvelles technologies. Sen Investment Group accompagne les jeunes entrepreneurs à la rencontre des partenaires techniques et financiers avec l'accompagnement sur la planification et le pilotage de leur performance commerciale par nos formations et certifications SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, risque. Aujourd'hui, la première édition du SNTPE, le Salon des nouvelles technologies pour l'émergence, des jeunes entrepreneurs sénégalais dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, du BTP et de l'artisanat, ici présents, venant du Sénégal d'ailleurs et de la diaspora, vont nous présenter, exposer leurs talents et savoir-faire tout au long de la journée. Je les souhaite tous la bienvenue à la première édition du Salon des nouvelles technologies pour l'émergence. Je ne saurais finir sans remercier tous ceux de près et de loin qui ont contribué à la réussite de cet événement, particulièrement, je cite, M. Doro Gaye, président de la plateforme Ripple Hall. Et pour finir, mon épouse, Mme Barrault, par son soutien inconditionnel, malgré mes multiples déplacements professionnels assez fréquents. Monsieur, Madame, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci, Monsieur Barrault. Très important dans un couple qu'on se soutienne mutuellement. Très, très important. Là, nous allons ouvrir. Ce qui va se passer, c'est que nous allons ouvrir donc, les allocutions des autorités présentes. Ensuite, on passera à la présentation des projets, donc des différents porteurs de projets. Donc, je vais appeler, je crois que monsieur le consul n'est pas là, n'est pas encore là. Je vais appeler monsieur Émile Barrault pour l'ouverture des allocutions sous vos applaudissements. Émile Barrault, qui est le directeur de la SGE, donc service de gestion des étudiants à l'étranger, donc des étudiants sénégalais. Monsieur Barrault. Je peux me permettre, comme je suis un peu plus grand que monsieur Barrault. Alors, à l'entame de mon propos, je voudrais d'abord saluer toutes les autorités ici présentes. Et ensuite, féliciter monsieur Barrault pour cette belle et pertinente initiative. Félicitations et très bonne continuation. Naturellement, je voudrais revenir sur le PDG de Regueil qui, à chaque fois qu'un Sénégalais prend une initiative allant dans le sens de l'émergence, il est là pour accompagner et soutenir. Et devant tous, je voudrais le féliciter et l'encourager. À travers lui, bien sûr, je salue toute son équipe. Monsieur Bass, je ne serai pas très long. Salon pour, comment vous l'avez dit encore, Salon des nouvelles technologies pour l'émergence. Je suis d'autant plus fier de votre initiative que actuellement, les orientations que le président de la République nous a données par rapport à la gestion des bourses, c'est de soutenir les jeunes qui suivent les formations des sciences, de l'ingénieur et des technologies. C'est dire que si vous prenez l'engagement d'accompagner les jeunes qui entreprennent, cela veut dire que vous avez une vision que demain, nous aurons non plus des jeunes entrepreneurs, mais des grands entrepreneurs qui vont permettre à la jeunesse de s'insérer. Et cette initiative doit être multipliée, soutenue et accompagnée. Et pour ne pas aller trop long, puisqu'il n'était même pas prévu que je prenne la parole, je voudrais vous dire, en tout cas, vous avez toutes nos félicitations et vous avez notre soutien sans faille. Très bonne continuation et j'espère que le projet qu'on nous présentera tout à l'heure nous donnera encore une fois l'envie de retourner au Sénégal
et participer au développement économique et social. Grâce à vous, grâce à votre initiative, nous, Sénégalais de la diaspora, nous sommes des Sénégalais à part entière et non des Sénégalais à part. Merci. Merci beaucoup, M. Emile Bakoum. Nous sommes effectivement des Sénégalais à part entière. Nous profitons de la présence de M. Moustapha Dramé, maire adjoint du Pré Saint-Gervais. Est-ce qu'il est là? Voilà, donc nous souhaitons vous avoir effectivement pour un mot d'allocution, M. Dramé. Bien sûr, sous vos applaudissements. Assalamu alaikum et bonjour à tous. Moustapha Dramé est évidemment sénégalais. Par ailleurs, investi ici au conseil municipal du Pré Saint-Gervais dans ma commune. Ça, c'est une conséquence de l'immigration. Et de l'autre côté, conseiller municipal à Marsassoum. Ça, ce sont mes origines. Les deux sont liés. On ne peut pas être immigré et ôter son manteau de ses origines. Ce n'est pas possible. Quand on part de chez soi pour ailleurs, c'est que quelque chose ne va pas chez soi à un moment donné. Et quand on est ailleurs, qu'on a du mal à retourner chez soi, c'est que quelque chose ne fonctionne pas dans le pays d'accueil. Et du coup, notre existence en tant qu'immigré se situe dans cette forme de noria. Le va-et-vient, le va-et-vient, le va-et-vient. La logique du provisoire qui dure. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait que d'un côté le développement soit une réalité, c'est-à-dire dans le pays d'origine. Et il faudrait de l'autre côté qu'il y ait cette autre réalité du développement personnel qui te permette, qui nous permette de pouvoir investir chez nous. Et c'est toute la contradiction dans laquelle nous nous trouvons. Vous y retrouvez, vous. Vos enfants aussi, certainement. Je prends l'exemple des étudiants quand ils sont venus au premier tour. Ils se sont dit, ah, dès que j'aurai ma licence, je retourne. Ça y est, la licence est acquise. Ah, ma maîtrise, dès que je l'aurai, je retourne. La licence est acquise. Et puis le DEA, puis le doctorat. Et puis finalement, nous sommes toujours là. Nous sommes là sans être là parce que tout ce que nous avons ici est destiné au Sénégal. Donc ça veut dire que le développement dans notre pays d'origine n'est pas une option. C'est une réalité que chacun de nous, pas seulement l'État, que chacun de nous doit prendre en considération, et en particulier puisqu'il s'agit de ça, ceux qui sont issus de l'immigration. Ça me donne donc l'opportunité de vous saluer d'avoir initié ce projet. Monsieur Barrault, félicitations, merci à vous et à votre équipe. Et merci à l'administration consulaire, diplomatique, qui vous a soutenu pour qu'on en arrive aussi là. Monsieur le consul, ici présent ou absent, merci d'avoir soutenu un tel projet. On m'avait demandé de parler un peu du développement et ensuite de voir les axes de retour. Je crois qu'on n'a pas le temps. Je crois qu'on n'a pas le temps. Le développement n'existe pas. Non, il n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce que c'est un processus. Et ce processus, il n'est pas universel. Ce n'est pas un théorème mathématique.
AX, AX est égal à 2AB. Non. Chaque pays a son modèle de développement en fonction de ce qu'il possède et en fonction de ce qu'il peut faire avec les autres. La moitié de l'intelligence de chacun se trouve chez l'autre. La moitié du savoir-faire se trouve toujours chez l'autre. La moitié du développement de soi se trouve chez l'autre. Et c'est ainsi pour nos pays. Le terme de sous-développement a été plus ou moins balayé. On parle maintenant de l'émergence. Mais l'émergence elle-même est un processus. C'est un processus. C'est-à-dire que chacun de nous, à un moment donné, doit apporter sa brique pour que cette émergence se fasse. Il y a des facteurs sociaux, des conditions naturelles, des conditions socio-culturelles, l'évolution démographique, les facteurs économiques. Autrement dit, tout ce qui contribue à la croissance, c'est ça, ce petit machin, ce gros machin que nous a pris comme la référence universelle du développement. La croissance. En France, quand ils ont 2,1% de croissance, le ministre de l'économie chante, il danse. Chez nous, nous nous battons pour avoir 6, 7, 8, 10 de taux de croissance. Réfléchissons. Pourquoi cherchons-nous, nous, à atteindre 6, 7, 8, alors que eux, quand ils ont même des difficultés ici, à avoir 2, 3% de croissance? Ça veut dire tout simplement que cette référence est biaisée. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour la calculer, les éléments que nous prenons du PIB, le PIB de 2022, moins le PIB de PIB de 2023, moins le PIB de 2022. Sur le PIB de 2022, on multiplie par 100. Mais le produit intérieur brut est aussi variable d'un pays à l'autre. Dans nos pays, le produit intérieur brut est souvent basé sur l'informel, soit l'agriculture, soit les services. Donc nos croissances sont souvent, comme on le dit, extraverties. Si c'était basé sur la production industrielle et un secteur privé fort, alors oui, la croissance est une notion véritablement économique et un indicateur de développement. Mais là, dans nos pays, ce n'est pas le cas. Alors on utilise quoi maintenant? L'indice du développement humain, qui lui caractérise la qualité de vie des habitants. Je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que ça va faire trop long. Donc vous voyez, le processus a évolué un tout petit peu pour déterminer plus ou moins ce que c'est le développement. Mais le développement, évidemment, d'un pays, par rapport à ce que vous avez fait là, en dehors de toutes les ressources, l'agriculture, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, je ne reviens pas à tout ça, vous connaissez tous ces éléments-là, ces secteurs-là, et tous les agrégats économiques qu'on peut prendre en considération, vous les connaissez, on ne va pas revenir sur tout ça, mais le développement d'un pays se trouve dans la marmite de la ménagère. C'est la référence la plus adéquate. Tout ça s'inscrit dans une chose que moi j'appelle en général la question de souveraineté. On ne peut pas parler de développement sans la question de souveraineté. Je ne vais pas entrer dans les théories économiques du développement, ce n'est pas mon propos. Ceux qui ont fait de grandes études économiques connaissent ça. Sinon, ceux qui constatent le quotidien savent aussi de quoi on parle quand on parle de développement. Non, moi ce que j'ai voulu seulement, c'est de chercher les référentiels à partir desquels on peut peut-être parler de développement. Je vous parlais de croissance tout à l'heure. La Chine actuellement a du mal à atteindre les 2,5 et pourtant c'est une puissance. Tout ceci pour vous dire que le développement n'est possible que sur la base d'un certain nombre de critères. Premier critère, la conscience. Avez-vous conscience que votre pays
a besoin de vous? Avez-vous conscience que vous aussi, au niveau micro, vous pouvez participer à la macroéconomie de votre pays? Avez-vous conscience que vous devriez être un citoyen? Avez-vous seulement conscience que sans vous, rien n'est possible? Si cette conscience est partagée, alors produire et consommer local devient une nécessité et un devoir pour tous. Avez-vous conscience que ce que vous avez doit être dans une très bonne gouvernance? Si cette logique est respectée, on est dans le domaine de la gestion économique, mais aussi de l'éthique. Avez-vous conscience qu'à un moment donné, ce sont les investissements productifs, en particulier des secteurs privés, qui entraînent le développement? Un secteur privé fort entraîne forcément une économie solide. L'État n'est pas créateur d'emplois. L'État est un accompagnateur. Et à ce niveau, vous pouvez tout reprocher au président Macky Sall, sauf avoir mis en place des organismes, des organes pour aider à développer le pays au niveau de l'emploi des jeunes. Non, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a proposé. Le seul souci que nous avons dans tous ces organes, c'est la question et la problématique de l'évaluation. C'est la seule critique qu'on peut faire par rapport à ça. Mais on ne peut pas dire que les organes, dans ce domaine-là, de l'investissement ou de la création de l'emploi, n'ont pas existé. Ils existent. Il faut les évaluer et en fonction de l'évaluation, les améliorer à ce niveau-là. Pour ma part personnelle, c'est une critique. Je ne dis pas que j'ai raison. C'est mon constat. D'accord. Monsieur Drapin, on est pris par le timing. Ok, alors, donc si vous pouvez... 5 minutes, 2 minutes, je conclue alors. Voilà. Ok, c'est pourquoi je disais tout à l'heure comme je pourrais pas, on ne pourra pas le faire, mais ce n'est pas grave. Alors, je conclue juste. Maintenant, en ce qui concerne le retour au pays, je laisse tomber tout ça, la souveraineté politique, souveraineté économique, agricole, citoyenne, tout ce qu'il faut, il faut mettre tout ça dans le même panier. Maintenant, le retour au pays, c'est ça qu'il vous propose. Les nouvelles technologies. Alors, à cet instant-là, si Mark Zuckerberg appuie sur le bouton et coupe Internet dans le monde, à cet instant-là même, dans 2 secondes, il fait ça. Qu'est-ce que nous devenons? À cet instant-là, pas de YouTube, pas de Facebook, pas de Google, rien. C'est pire qu'une bombe atomique. Donc ce ne sont pas les grandes puissances et les grands hommes de ce monde-là qui détiennent aujourd'hui le pouvoir. C'est Internet qui détient le pouvoir et c'est pour ça. Cette question-là est une problématique très intéressante. Les nouvelles technologies pour que nos enfants apprennent à se socialiser en se développant et non pas en se détruisant parce que ça, c'est des effets pervers. Donc, merci à vous d'avoir choisi ces thèmes et merci. Et nous souhaitons bonne chance à tous les investisseurs. Mais je vous dis, il y a des possibilités pour retourner au pays. Seulement, c'est un peu plus compliqué pour tous. Je vous souhaite d'aller bien et c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. Merci pour ce rappel. Vu qu'on est pris par le timing, nous allons demander aux représentants, vous avez entendu parler tout à l'heure de M. Dorogaï, à son représentant, en sachant que M. Dorogaï est présent, non, dans la salle. Il est présent. D'accord. Donc on va demander à son représentant, Do José, de venir prendre la parole au nom de M. Dorogaï. Bonjour tout le monde. Puisqu'on est pris par le timing, je ne serai pas trop long. Mesdames et messieurs les organisateurs, chers parents, chers invités, nous sommes très heureux de participer en tant qu'invités d'honneur à ce salon des nouvelles technologies pour l'émergence organisé par CEP Investment Group.
Cette tradition, un acte concret du plan Sénégal émergent, prouve, s'il le fallait encore, la vision prophétique de son Excellence le Président Macky Sall. Nous profitons de cette tribune et lui renouveler notre indéfectible attachement et notre grande volonté de nous impliquer pour un développement harmonieux du Sénégal adossé à sa grande profonde vision. À vous, mesdames et messieurs les organisateurs, membres de CM Investments Group, nous vous marquons notre reconnaissance et considérons cette invitation d'honneur comme un appel à l'action et au dépassement de soi pour demeurer un militant assidu de l'investissement et de l'entrepreneuriat tout court. C'est une leçon de vie et une reconnaissance qui baliseront nos actions futures. Nous vous remercions de votre aimable attention et nous souhaitons une très bonne continuation à M. Barrault. Merci. Nous avons monsieur, est-ce que M. Amadou Silla est là? M. Amadou Silla, oui. Non. Donc, je ne vois pas M. Amadou Silla. Donc, nous allons ouvrir, en sachant que l'après-midi, nous aurons le défilé de Sadio Bi et un concert exceptionnel de Nigamas. Nous allons ouvrir la présentation des projets, donc des talents, des porteurs de projets qui seront là et qui vont proposer, qui vont présenter leurs projets. Et donc nous allons faire appel à... Est-ce que M. Bokarsi est présent? Bokarsi? Il est là, Bokarsi? Oui. Oui. Donc. Donc, M. Bokarsi sera le premier à présenter son projet. La scène est à vous. Le pointeur ne fonctionne pas, donc... flèche haut et flèche bas. Non, ça ne marche pas. Bah, à ce moment-là, je vous ferai des signes pour... Attends. Non, mais on fera. Il n'y a pas de problème. Alors, déjà, merci. Voilà. Merci pour l'invitation. Je pense que ce genre d'événements, c'est des événements qui doivent... se multiplier et je remercie Barrault et son équipe d'avoir organisé cet événement. Moi, je vais prendre 5 minutes déjà pour poser des bases, puis 5 minutes pour donner un constat aussi vers quoi l'Afrique doit aller dans le monde que nous devons créer demain. Et le dernier point, ça sera concrètement le projet que j'ai porté et que j'ai envie d'amener au Sénégal, qui est un projet à vocation éducative. Le premier point sur lequel moi j'ai envie de... Ça, c'était un petit mot d'un jeune participant au programme, mais on passera ça après. C'est possible de passer la slide, s'il vous plaît? Encore. Voilà. Donc, partir d'un état des lieux du monde, et je pense qu'on doit avoir tous une vision globale de ce qui se passe. L'industrialisation a eu plusieurs impacts sur le monde que nous avons créé, parce qu'on en avait besoin, on avait besoin de croissance, on avait besoin aussi de produire plus, de consommer plus également. Mais aujourd'hui, on arrive à un point où il faut, je pense, construire un nouveau monde. Pourquoi? Parce que certains scientifiques ont défini le monde dans lequel on vit aujourd'hui par deux concepts. Le premier concept, c'est l'accélération. Et le deuxième, la croissance. L'accélération, c'est cette volonté à chaque fois d'intensifier ce que l'on fait de manière plus vite et plus rapide. C'est-à-dire qu'on va avoir des réseaux sociaux qui vont intensifier les échanges, on va avoir la volonté d'aller toujours plus vite dans ce que l'on fait. La deuxième point, c'est la croissance. La croissance, c'est cette volonté de toujours surconsommer et de surproduire sans se poser les bonnes questions de là où on veut aller. Et ça, aujourd'hui, ça a des impacts, ça a deux conséquences sur lesquelles il faut qu'on agisse. Alors, la slide.
L'accélération, c'est un impact au niveau individuel. C'est-à-dire que les jeunes sont en perte de repères. Ils ne savent plus pourquoi ils font les choses. Ils ne savent plus qu'est-ce qui les anime. Ils sont là et ils suivent en fait le mouvement du monde. Et ceci a plusieurs impacts au niveau du sens. Ça crée aussi des maladies psychologiques, du stress, de l'hypertension, des burn-out. Et ça, ça arrive aussi au Sénégal. Je suis parti en septembre au Sénégal. J'ai échangé avec un cousin qui me disait qu'il avait fait une dépression. Et ça, c'est la première fois que j'entendais ça au Sénégal. Et c'est quelque chose qui se mondialise. Donc, il faut en avoir conscience, je pense. Et le deuxième conséquence, passez la slide, s'il vous plaît, c'est l'aspect croissance qui a un impact sur le monde et sur l'aspect environnemental. Donc, on va avoir la crise écologique que l'on traverse. Et ceci nous montre qu'on doit prendre un virage et passer à un nouveau monde qu'on doit construire ensemble. Et là, je demande de passer la slide. Vous pouvez passer la slide ? Voilà. Et un autre encore, si possible. Donc voilà. Donc moi, j'ai construit une entreprise qui s'appelle SCAT, la sagesse collective, où l'idée, c'est d'aider en fait le monde à passer à un nouveau monde qui va répondre en fait aux deux conséquences. Donc, le fait qu'on ait moins de sens, donc remettre du sens, donc les jeunes savent pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les anime, pourquoi ils font les choses, et ça, je pense que ça se construit dans des termes éducatifs. Et puis le deuxième aspect, c'est porter des projets à impact collectif avec un engagement de tous. Et ça, il faut accompagner méthodologiquement les jeunes pour ça. Vous pouvez passer. Voilà. Donc voilà, il y a une offre que je porte. Donc il y a une partie conseil, donc je conseille des organisations, des entreprises, mais aussi des institutions publiques sur voilà, l'accompagnement à la transformation de leur structure. Et puis, en deuxième aspect, je propose aussi des ateliers, des conférences et un programme, dont le programme Cyril que je vous présenterai tout à l'heure dans quelques minutes. Passez, s'il vous plaît. Voilà. Donc moi, je suis formé, je suis ingénieur électronicien et j'ai aussi un double diplôme en management de l'innovation. Donc les sujets un peu de management, c'est ça qui me plaît et qui me porte. Et vous pouvez me suivre aussi via les réseaux sociaux sur la sagesse collective. Donc là, je vais vous parler un peu de l'Afrique parce que je pense que l'Afrique aujourd'hui a un rôle très particulier à jouer dans le monde que nous voulons créer prochainement. Donc je disais qu'il faut passer à un autre monde et pour ça, je vais partir d'un point, c'est dire que l'Afrique, en fait, c'est la terre-mère. C'est là où l'humanité a vu le jour. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a la possibilité de reprendre ce rôle de leader. Et ce n'est pas juste des mots. C'est-à-dire que moi, je suis français et sénégalais, et je suis sénégalais et français parce que l'un n'est pas plus important que l'autre. Et je pense que l'Afrique a vraiment cette capacité en son sein, ça soit juste en termes de ressources, mais aussi en termes de potentiel humain, de pouvoir donner le tempo vers le monde que l'on veut construire avec plus de sens et plus d'engagement collectif. Et ça, pour moi, ça va passer par plusieurs points. Le premier point, ça va être qu'elle prenne conscience qu'elle a, qu'elle est le berceau de l'humanité. Et le berceau, ça veut dire quoi? Le berceau, c'est le moment où on berce un enfant, on lui apporte de la sérénité. Et donc, c'est le moment où elle va lui redonner du sens. Elle va redonner du sens à l'Afrique, au monde. Donc l'Afrique peut redonner du sens au monde et permettre un engagement collectif de tous. Et comment elle doit nous y ramener? Par une structuration collective. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dis pour moi, il y a plusieurs piliers. Il y a la notion de communauté. Donc qu'est-ce que ça veut dire créer une communauté? La tradition, le récit commun, donc connaître son histoire, l'aimer et croire en son histoire. La notion de confiance collective, là je ne rentre pas trop dans les détails, mais l'idée est vraiment que chaque Africain ait confiance collectivement en la capacité de produire et d'aller vers ce monde qu'on pourrait créer, et une vision et un partage universel. Donc ça, c'est vraiment la structuration collective. Si certains veulent qu'on en discute plus tard, je serais ravi de pouvoir en discuter parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Et le deuxième point, c'est l'éducation au niveau individuel. Donc former des hommes et des femmes de conviction avec des valeurs, et puis des ambitions, et vraiment passer à l'action de pouvoir engager des projets. Et là, moi, je vais vous parler rapidement du projet. C'est possible de slider, s'il vous plaît? Encore. Voilà. Donc, le programme que j'ai lancé l'année dernière, si vous pouvez slider encore.
C'est un problème qui a permis d'accomplir. Voilà. Non, juste avant. Après. Après encore. Donc c'est un programme où j'ai accompagné pendant 7 mois une douzaine de jeunes sur ma ville natale, où l'idée c'était de répondre à la question du sens en les accompagnant sur une partie théorique. Donc ils ont eu plusieurs séances de travail sur la connaissance de soi. Et puis c'est pas de s'arrêter là, c'est vraiment de rendre concret les choses en portant des projets à impact positif sur le territoire. Donc ça a duré 7 mois, donc les premiers mois c'était la partie théorique et la deuxième partie c'était la partie projet. Donc il y a eu 3 phases, il y a une phase de lancement, donc ouverture des inscriptions et puis sélection des candidats. La deuxième phase ça a été la phase de la partie formation théorique, donc travailler sur les soft skills. C'est quoi une mission personnelle, c'est quoi l'intelligence émotionnelle, c'est quoi l'estime de soi. Et puis la deuxième partie, c'était la partie projet. Passez, s'il vous plaît. Encore. Voilà. Donc ça a eu lieu à Villeneuve-la-Garenne, ça a duré de novembre à juin. Et ça a été un lieu d'un incubateur qui est au sein de la ville. Et la première promotion, ça s'appelait Fabrique ton avenir. Passez. Encore. Donc le lancement. Donc il y a eu visibilité du programme. Donc on a une partie un peu pour rendre visible l'initiative. Une deuxième partie, ouverture des candidatures. Donc ça c'est la phase de lancement. Et puis la troisième partie, c'est la sélection des participants. Passer. Donc là c'est la partie un peu communication. J'assiste à des formes des associations sur le journal, le site de la ville en question. Passer. Encore. Là c'est le journal de la ville. Encore. Et il y a eu 28 candidatures. Il y avait 3 critères de sélection. Être âgé entre 18 et 25 ans, vivre à Villeneuve-la-Garenne, être motivé aussi et s'engager sur l'ensemble du programme. Et il y a eu 58% de femmes et 42% d'hommes qui ont candidaté. Passer. Encore. Ça, c'était sur le site pour s'inscrire. Passer encore. C'est la promotion en question, donc c'était très varié. Il y avait des étudiants en licence, en médecine, à Sciences Po, bref, c'était beaucoup, il y avait beaucoup de profils divers et variés. Passer, encore. Donc la partie connaissance de soi, encore, je vais passer juste. Voilà, il y a eu 9 séances. Il y a une séance sur plus team building, après sur la mission personnelle, pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui m'anime, pourquoi je lance tel projet, vraiment avoir un moteur. Parce que ça, c'est ça qui crée une conviction et qui fait que rien ne nous arrête. Après, une partie sur comment je dépasse l'échec, comment l'échec, en fait, crée une énergie positive et ne nous contraint pas, finalement. Après, une partie sur comment on se prépare à un entretien, non. Estime de soi, communication aussi assertive, ça, c'est une forme de communication non violente. Et puis, après, des rencontres avec des personnes inspirantes par leur parcours. Donc, voilà. Passer. Bon, je vais faire juste un focus sur une séance, par exemple. Là, il faut vraiment que tu passes, là, je pense. Vas-y, encore. Là, vas-y, encore. Voilà. Là, par exemple, la séance 5, ça a été une séance sur l'estime, la confiance en soi, avec une formatrice qui est dans le domaine depuis 10 ans, qui est certifiée et qui a accompagné les jeunes sur cet aspect-là. Encore. Donc, il y a eu, voilà, sur les profils comportementaux. Encore. Et après, l'idée, ça a été de créer une carte d'identité de la connaissance de soi. Et en fait, ils pouvaient définir un peu leur profil comportementaux, leur mission personnelle, leur niveau d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est une autre façon de voir la carte d'identité classique. Encore, donc ça, c'était un after work, un échange. Ça, c'était sur la phrase de la biodiversité. Encore. Et je vais passer à la partie, je ne vais pas détailler, mais à la partie projet, comme ça, on verra un peu les projets rapidement. Encore. Voilà. Les projets. Donc, les projets, on s'est basé sur une méthode qui s'appelle la méthode design thinking, qui est utilisé en entreprise, où l'idée c'est de porter des projets avec plusieurs phases et centrer sur l'humain. Donc vraiment un projet. Comment ? Design thinking. C'est une méthode qui a été créée. Design thinking. Donc c'est une méthode qui vient de Stanford, donc des États-Unis, où l'idée en fait c'est centrer sur l'humain, avoir une méthodologie qui part vraiment du besoin humain. C'est-à-dire qu'on ne lance pas un projet comme ça en chambre, on part sur le terrain et à partir de ce qu'on voit de la cible, on répond à un projet bien défini. Donc l'idée, ça a été de dire, on part, la première phase, vous pouvez passer comme ça, vous voyez un peu les étapes. Comment ?
passe. Voilà. Donc il y a la première qui est le thème. Donc nous, on a travaillé sur trois projets, social, éducatif et événementiel. Il y a la première partie qui est la phase d'observation. Donc on va observer la cible qu'on veut toucher. On fait pas d'a priori. Donc on part vraiment sur un œil innocent. Et on a des méthodes, des outils qui nous permettent d'analyser et de comprendre vraiment le besoin de la cible. Après, la deuxième étape, c'est de vraiment problématiser. Donc on part de ce qu'on a observé pour créer une problématique à laquelle on va répondre, sans présupposer aucune solution. La deuxième partie, c'est l'idéation, où là, on va vraiment ouvrir les champs des possibles et essayer de trouver un maximum d'idées pour répondre au problème. Et une fois qu'on a choisi la solution la plus adaptée, on va la mettre en mode projet, gestion de projet classique, pour développer la solution. Donc, passer, je ne vais pas rentrer. Donc, il y a eu trois projets. Il y a le projet social, passer. Encore, ça, c'est l'équipe projet des jeunes. Donc, ça a été de créer, en fait, au final, j'ai enlevé toute la première étape, mais normalement, on a suivi toutes les étapes de la démarche et on en a conclu que la meilleure solution, c'était de raconter l'histoire, les histoires des personnes qui vivent dans la rue, parce que c'est une façon de les revaloriser et de montrer qu'ils ont quelque chose à nous apporter parce qu'ils ont vécu par leurs expériences. Et donc, il y a une mini-série qui s'appelle « Au fil de la toile », en référence à l'expression « au fil de la plume », où on raconte l'histoire des sans-abri. Passé. Encore. Donc, il y a une écriture d'un scénario qui a été fait parce qu'il y avait une personne qui était en licence de cinéma. Passé. Donc là, on a fait des castings, on a reçu une dizaine de comédiens qui sont venus pour prendre un rôle. Encore. Donc là, c'était le tournage. Passé encore. Et là, vous pouvez découvrir le film qui est présent aussi sur la chaîne YouTube, qui a été produit par les jeunes. Voilà. Et après, donc ça s'est fait en 3 mois. On a dépensé 70 euros sur ce projet, juste pour dire que si on arrive à faire ça en Afrique, on a tout gagné. Parce que je pense que les Africains, ils ont juste besoin de ça, et en particulier le Sénégal. C'est qu'on croit aux jeunes et en leur potentiel, et à donner les outils et les méthodologies pour qu'ils réalisent. Il manque que ça, en fait. Tout est là. Mais je pense juste qu'il manque un aspect plus. On les accompagne, qu'ils croient en eux, qu'ils soient décomplexés, et que derrière, ils aient aussi les méthodologies, les outils pour réaliser. Et ça, en fait, ça a été un truc qui a fait sauter le verrou des jeunes qui sont venus me voir en me disant... Mais en fait, je pensais pas que j'étais capable de ça. Et je suis parti de rien. On est parti d'une feuille blanche, on n'avait rien au départ et on a réussi à produire ça. Et ça, c'est juste les jeunes qui l'ont fait, c'est même pas moi. Moi, j'étais juste là pour les accompagner, pour leur donner l'énergie, pour qu'ils puissent y arriver. Et ça, pour moi, si j'arrive à porter ça au Sénégal, j'ai tout gagné. Moi, je cherche pas l'argent. L'argent est un moyen, c'est pas une finalité. Moi, je désire pas un monde où chacun cherche comme finalité l'argent. Mais c'est plus un moyen pour réussir à répondre à une cause beaucoup plus noble que ça. Et si on arrive à transformer les mentalités pour que les jeunes se disent, on a la capacité à prendre nos responsabilités, à changer les choses, et à pas attendre que les politiques ont leur rôle à jouer, évidemment. Mais il ne faut pas attendre. On a la capacité de faire sur le terrain. Mais ça, ils attendent aussi que nous, en tant qu'hommes ou femmes de la diaspora, qu'on aille les voir et qu'on leur dise, mais arrêtez de croire que c'est l'Eldorado en Europe. Vous pouvez le faire aussi, construire là où vous êtes. Et vous avez les outils pour le faire. Et nous, on peut vous aider, vous accompagner pour que vous réussissiez. Et moi, le seul gain que j'ai, c'est de pouvoir rendre et autonomiser les jeunes. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut porter loin. Donc, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais il y a 3 projets comme ça. Je peux passer encore. Passer. Ça marche plus. Ok. Je vais juste conclure. Bon, ça a été un petit texte. Vas-y, continue. Donc, il y a le projet éducatif. Ça a été, je ne vais pas détailler, mais ça a été un escape game. C'est un jeu, en fait, à énigmes. Pour sortir, et on doit répondre aux lignes pour sortir de la salle, et c'était sur le développement durable et intergénérationnel. Donc c'était vraiment pédagogique pour parler du sujet du développement durable. Donc tu peux passer. Encore. Ça c'est les énigmes. Encore. Juste pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemblait encore. Donc c'était ça. Donc en fait, il y avait une salle avec des énigmes et les gens rentraient, ils avaient 30 minutes pour résoudre les énigmes. Et chaque énigme portait sur un sujet du développement durable et sur le processus de pourquoi on en est arrivé là. Et il y avait toute une régie qui était gérée, etc.
Et ça, on l'a fait assez avec très peu de moyens. Juste pour dire qu'avec très peu de choses, on peut faire des trucs qui fonctionnent, qui marchent. Et d'ailleurs, il y a même des bailleurs qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils voulaient financer pour qu'on puisse refaire des sessions au sein des quartiers, etc. Donc, passé. Encore. Et le dernier projet, c'était le projet événementiel. Donc, on a créé un événement avec plein de conférences, des ateliers sur l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Et puis, une partie un peu rencontre inspirante avec des jeunes, des gens qui ont fait des choses intéressantes dans la vie. Donc, tu peux passer. Encore. Et là, après, je vais conclure. Passer. Donc, ça, c'est les intervenants qu'il y a eu. Par exemple, sur la partie... tu peux revenir. Sur la partie conférence, bah, y a eu Yacine qui était un formateur qui a 10 ans dans le recrutement, lui qui est champion du monde de lecture rapide, et puis Assi qui est mon oncle et qui a été secrétaire général de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au niveau mondial. Passé. Là, c'est des ateliers sur l'intelligence émotionnelle, sur la confiance en soi, etc., qui ont été créés par les jeunes. Donc, c'est eux qui les ont montés, qui sont de qualité. Passé. Et puis, ça, c'est des rencontres en petite communauté. Donc, voilà. Donc, tu peux passer encore. Donc, moi, l'objectif, c'est de passer à l'échelle. Donc, j'aimerais bien refaire le programme dans une autre ville en France, ou même en Ile-de-France déjà, et de pouvoir aussi trouver des partenaires pour essayer de mettre ça en place au Sénégal. Donc, voilà, j'ai été un peu pris par le temps, mais il y a beaucoup de choses sur la partie théorique que j'aurais voulu échanger avec vous parce que ça pose des vraies bases sur ce qu'on pourrait faire au Sénégal. Et donc, je vous remercie en tout cas. Et voilà, je vous dis à tous, il faut qu'on y aille, quoi. Merci. Bravo. Non, attends. Bravo à Bokarsi. En tout cas, vous le voyez là, il a fait une très belle prestation. Nous allons demander à monsieur Sanya de Sen Investissement de venir vous remettre un diplôme. Le mot Sanya, qui va vous remettre le diplôme. Et on peut le féliciter, hein. Donc, monsieur Bokarsi. Très dynamique. Donc, nous allons profiter donc, de l'arrivée du consul. On le prend au bon pour qu'il puisse faire son allocution. Donc, monsieur le consul, Amadou Diallo, on le reprend au bon. Voilà. Salam alaikum. Merci beaucoup. Hein. Je suis désolé pour mon retard. J'ai beaucoup d'activités en général les week-ends, samedi, dimanche. J'ai un périple. Je voudrais tout d'abord vraiment vous remercier, Abbas, pour ce que vous avez fait. J'ai tenu à être là parce que c'est une excellente initiative. Il faut croire en nous, il faut croire en nos forces, il faut croire en nos capacités. Nous sommes dans un pays développé et nous travaillons, la plupart d'entre nous, dans ce pays. Il n'y a pas de miracle. Nous savons au quotidien comment ils font pour que ça marche ici. C'est pareil dans tous les autres pays développés. Et quand vous organisez un salon comme ça, d'attirer des investissements, et on peut le dire aujourd'hui, sans complexe, que c'est le tour de l'Afrique, c'est le tour du Sénégal. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui, pour ne pas dire immédiatement ou tout de suite. Il faut vraiment croire en vos capacités. Et c'est en cela que je salue bien sûr cette initiative, ce salon, parce que ça permet de croiser des dynamiques, des expériences, des compétences, mais aussi en direction ou en tout cas en phase aujourd'hui avec l'émergence économique de notre pays. Beaucoup d'investisseurs, y compris les plus grands à travers le monde, croient aujourd'hui à notre émergence économique. Il n'y a pas de raison que nous, les nationaux, nous les compatriotes, nous Sénégalais, que nous ne puissions pas aujourd'hui en faire partie. Et c'est pour cela que Abbas, vraiment, avec toute l'équipe, tout le travail abattu, je sais que vous avez, c'est pas évident, vous avez cru en votre projet et nous sommes là pour vous encourager, non seulement de féliciter pour la réussite de cet événement,
mais aussi se projeter sur d'autres événements. Bien sûr, pérenniser cet événement, mais pour se projeter ici sur d'autres événements. Tous mes encouragements, et sachez que nous restons disponibles. Dans cette salle, je connais la plupart d'entre vous. Nous avons aussi la présence d'Emile Barrou, mais aussi de Medoun Beng et d'autres aussi agents de l'ambassade et du consulat. Sachez que nous sommes à vos côtés pour toutes les informations que vous disposez, mais aussi pour notre présence dans vos activités. Et c'est une instruction des autorités de ce pays qui souhaitent que partout, que ce soit en France ou ailleurs, que nous travaillions dans ce qu'on appelle la diplomatie économique. Pendant longtemps, ça a été le maillon faible de nos pays. Nous n'avons jamais cru en cette diplomatie. Nous avons toujours été dans la tradition diplomatique de drapeau à drapeau, de chef d'État à chef d'État. Aujourd'hui, nous voulons lever le drapeau de l'économie du Sénégal. Je vous remercie. Nous allons relever effectivement le drapeau économique. Merci, M. Diallo, le consul. Donc, il y a M. Dorogaï qui a vraiment donné une très forte importance à cet événement. Il est venu avec une délégation, dont l'honorable député M. Matar Diop. Est-ce qu'il est là? Voilà, M. Matar Diop. Nous vous saluons. Nous avons Mamadou Bass, du conseiller de la présidence. Est-ce qu'il peut lever la main pour qu'on puisse... voilà. Donc, nous vous saluons également. Nous avons Mamadou Niaï de Ripirol. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut le saluer? Et Malal Diallo. Malal Diabo, s'il peut lever... voilà. Donc, on le salue. On va demander à M. Khadim Diop, du Conseil national de la jeunesse. On profite donc de sa présence pour qu'il puisse faire une petite allocution. Merci, monsieur le modérateur, monsieur le consul, monsieur le président de la plateforme Repilhor, honorables députés, chers membres de la délégation de la plateforme Repilhor, chers organisateurs, chers jeunes, moi, c'est Khadim Diop, je suis le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. J'accompagne aussi le président de la plateforme Repilhor à cette invitation. Comme vous le savez, le Conseil national de la jeunesse a été créé depuis 1954, qui regroupe l'ensemble des mouvements et organisations de jeunesse du Sénégal. Nous sommes présents dans toutes les collectivités territoriales. Si vous allez dans la commune, vous avez le Conseil communal de la jeunesse qui regroupe l'ensemble des organisations de jeunesse, de mouvements de jeunesse tels que les AIC, les associations de quartier, les associations culturelles, les associations de femmes, les collèges et lycées de la commune. Au niveau de l'arrondissement, vous avez le Conseil de l'arrondissement de la jeunesse qui regroupe l'ensemble des conseils communaux de jeunesse et les mouvements de jeunesse au niveau de l'arrondissement. Au niveau départemental, vous avez le Conseil départemental de la jeunesse, qui regroupe l'ensemble des conseils communaux de jeunesse, conseils d'arrondissement de jeunesse, et les mouvements de jeunesse au niveau départemental. Au niveau régional, vous avez le Conseil régional de la jeunesse, qui regroupe l'ensemble des conseils départementaux de jeunesse, plus les organisations et mouvements de jeunesse au niveau départemental. Au niveau national, vous avez le Conseil national de la jeunesse qui regroupe l'ensemble des mouvements à foulard. On peut citer les scouts, les éclaireurs guides, l'ensemble des centrales syndicales, les partis politiques présents à l'Assemblée nationale, les associations des personnes à mobilité réduite, les associations des jeunes entrepreneurs, les associations de femmes. Le Conseil national de la jeunesse compte actuellement 17 organisations membres et nous représentons les jeunes au niveau du Conseil économique et social et dans tous les projets et programmes de l'État. Nous vous représentons au niveau des conseils d'orientation de l'ANPEJ, de l'ADER et des autres programmes tels que 3FPT. Le rôle du Conseil national de la jeunesse, c'est de jouer l'interlocuteur entre les jeunes, l'État au niveau des programmes étatiques, au niveau des collectivités territoriales
mais aussi nous vous représentons au niveau des instances de prise de décision. Raison pour laquelle nous sommes là, parce que actuellement au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous avons trois projets majeurs. D'abord, il y a ce qu'on appelle les grands forums de la jeunesse, qu'on organise au niveau des collectivités territoriales. Nous avons le guide de la jeunesse pour donner la bonne information aux jeunes et l'Académie de la jeunesse pour le renforcement des capacités des jeunes. Et nous avons le soutien de la plateforme Hipilhol qui accompagne le Conseil national de la jeunesse dans le cadre des séries de forats qu'on organise au niveau des collectivités territoriales. La plateforme Hipilhol accompagne l'Académie de la jeunesse dans le cadre de renforcement des capacités des jeunes au niveau des collectivités territoriales, surtout dans le cadre de l'organisation des jeunes qui évoluent dans le secteur informel. Nous avons aussi le soutien de la plateforme Hipilhol en ce qui concerne la diplomatie jeunesse. Aujourd'hui, le point faible du Conseil national de la jeunesse, c'est la diaspora. Les jeunes de la diaspora ne sont pas représentés au niveau du Conseil national de la jeunesse. C'est ce que la plateforme Hipilhol a compris, raison pour laquelle à chaque fois qu'on organise des activités à l'extérieur du Sénégal, nous avons le soutien de la plateforme Hipilhol. Donc, Monsieur le Président, nous vous remercions. La jeunesse sénégalaise vous remercie de cette marque de confiance, mais surtout du soutien que vous apportez au niveau du Conseil national de la jeunesse, mais aussi à toutes les organisations de jeunesse du Sénégal. Aujourd'hui, l'État est en train de faire beaucoup de choses pour la jeunesse sénégalaise. Comme vous le savez, actuellement, nous représentons plus de 65% de la population. Et nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous voulons changer la logique des organisations de jeunesse, d'une logique de représentation vers une logique de création de richesse. Nous ne pouvons pas représenter plus de 65% de la population et nous ne participons pas à la création de richesse. Si ces jeunes-là ne participent pas à la création de richesse, on ne pourra pas parler d'émergence. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est de pousser les jeunes vers la création de richesse et accompagner l'État dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes. Aujourd'hui, nous avons le projet AgriJeune avec 54 milliards. Et pour cela, nous avons besoin des jeunes de la diaspora pour non seulement accompagner les jeunes sénégalais, mais aussi on a besoin de votre expérience, on a besoin de vos talents. En tout cas, nous sommes très ravis de participer à cette manifestation et nous remercions encore une fois de plus le président de la plateforme Hipilhol, M. Doro Gueye. Je vous remercie de votre grande attention. En tout cas, M. Diop, nous vous remercions. On a vraiment entendu votre message. Tout au long du message, on a beaucoup entendu le mot jeunesse, jeune. Et quand vous avez dit 54 milliards, vous savez que là, effectivement, vous avez besoin de la jeunesse, la diaspora. Nous avons des jeunes porteurs ici et on fera tout. Ne vous inquiétez pas pour vous mettre en relation avec eux. En tout cas, merci pour ce message. Nous allons demander à Doro Gueye, est-ce qu'il peut venir sur le podium, l'invité d'honneur, pour recevoir son diplôme, effectivement, d'honneur. Ou son représentant, est-ce que monsieur, et son diplôme sera remis par monsieur Nian de Sen Investment. Abdourahman Nian, oui. Les applaudir. La prochaine candidate, celle qui doit, elle s'appelle Diena Bandiaï. Est-ce que Diena Bandiaï est là? Voilà, donc nous allons demander à Diena Bandiaï de venir et donc de présenter son projet, Diena Bandiaï.
Jenab Ndiaye est en train de se préparer. Et donc ça, effectivement, ça demande un peu de temps. En attendant, pour gagner du temps, on va demander à monsieur Dramé, hein, de venir pour recevoir son diplôme d'honneur également, qui sera remis par monsieur Abdourahmanian. Le temps, effectivement, que... Donc monsieur Dramé, qui nous a... Donc, M. Dramé qui reçoit son diplôme d'honneur. Donc, le temps que Jenab Ndiaye prépare effectivement une présentation qui sera très démonstrative. Donc vous voyez, hein, Jenab Ndiaye vient non seulement avec son projet, mais avec quelque chose que une invention. Donc Jenab Ndiaye sous vos applaudissements. Assalamu alaikum. Excusez-moi, j'ai pris trop de temps pour m'installer. Je vais devoir attendre qu'on me projette les slides pour que je puisse vous présenter ce fameux projet. Je ne sais même pas si vous êtes prêts à écouter tout ce que j'ai envie de vous dire concernant ce travail que j'ai initié mais qui a été réalisé par des jeunes Sénégalais. J'ai entendu tout à l'heure parler de jeunes, de jeunesse. Juste pour vous dire que les jeunes, ils travaillent bien. Peut-être qu'ils sont dans le tunnel. Et nous, les gens comme moi, peut-être, préfèrent toujours attendre que le projet soit fini. Que Thieb Bignor pour Nyumon Koyak. Donc, j'attends juste celui qui projette sa passoire.
projette, s'il peut. Encore, toujours pour, toujours après. Voilà. Ce projet, moi d'abord, je suis Diana Ndiaye. Je suis étudiante en école d'ingénieur, en ingénierie généraliste au CESI. Je suis Djolof Djolof, le terme que j'oublie jamais. Parce qu'auparavant, si tu disais Djolof, on pensait que tu parlais du Sénégal. Donc il y a une représentation historique qui ne m'a pas amené ici, mais peut-être certains le savent. Et d'habitude, on dit que ce bugé ramène qui colle un film dugué. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres choses derrière, mais c'est juste pour un petit rappel que ceux qui sont ici soient fiers de là d'où ils viennent. Et avant de faire quoi que ce soit ailleurs, de débuter là d'où l'on est. Donc, ce projet s'appelle ASD Eco. ASD, c'est Aline Cité Odiata. Peut-être. Au cours de la présentation, je vous dirai pourquoi Aline Citeo et pourquoi le terme écologique. Donc, oui, allez-y. Voilà, c'est l'image de la maquette. Encore. Il faut toujours appuyer. Hein. Voilà. Donc, je vais faire une petite présentation de moi que j'ai déjà fait. Je vais vous expliquer dans les lignes pourquoi le projet, comment nous est venue l'idée, genre de l'imagination à la réalisation, ses fonctions, et les plans de construction à grande échelle, et le choix de la matière, parce que genre, quand on parle d'écologie aujourd'hui, soit on prend les constructions qu'on voit aujourd'hui, soit la terre crue ou la terre... ou même les conteneurs que vous voyez maintenant, je pense que peut-être vous avez fait la remarque, il y a beaucoup de gens maintenant pour construire, même les entreprises, ils préfèrent les conteneurs. Et ensuite, je vais vous parler du coût, qui n'est pas officiel, mais provisoire, pour ceux qui en voudront peut-être les agriculteurs. Donc, on passe à l'étape suivante. Allez-y, deux fois hein, cette fois-ci. Voilà, donc ça c'était une petite présentation que j'avais fait, mais bon, juste ce qui m'intéresse bien, c'est que j'aime trop proposer des outils qui pourront réduire les émissions CO2, mais également, j'aime également procurer des opportunités pour la jeunesse. Même si je suis jeune, je fais partie de cette jeunesse, mais j'aime trop procurer des opportunités pour cette jeunesse-là. On peut passer à la top. Voilà, donc j'ai créé mon entreprise il y a de cela une année au nom de Malaw Company. Malaw, historiquement, le cheval de l'Adior Ngone Latir Diop. Et mes grands-pères, leur nom c'est Malaw, donc c'est pour juste renforcer la charte de mon entreprise, les valeurs de l'entreprise. Nous savons tous que le cheval de l'Adior n'était pas qu'un simple cheval. Il était très puissant et c'était quelque chose de représentatif pour lui. Et donc l'entreprise représente vraiment quelque chose pour moi, et les valeurs humaines, genre les gens qui travaillent au sein de l'entreprise, je l'ai dérivé de mon grand-père, parce que bon, je voyais vraiment de bonnes valeurs sur lui, paix à son âme. Donc voilà, c'est aussi pour relever son nom à la plus grande échelle. On peut passer, voilà, donc c'est pas clair, mais c'est Aline Cité à côté, moi je suis là. Donc, pourquoi déjà cette maquette? C'est que nous savons tous qu'Aline Cité a vécu 24 ans. Et pour ceux qui la connaissent, elle a fait pas mal de choses en 24 ans. Elle était jeune, elle a lutté, elle a beaucoup lutté contre les colons. Elle a beaucoup défendu l'agriculture, l'élevage. Elle a beaucoup aussi lutté contre les tirailleurs, genre, quand ils voulaient vraiment venir pour prendre des gens pour la Deuxième Guerre mondiale, les impôts. Aujourd'hui, si vous allez à Cabrousse, vous allez voir des terres où les gens cultivent du riz, et ça dérive depuis elle. Elle a creusé des puits, elle a beaucoup fait à ses 24 ans. Et quand j'avais 24 ans, comme moi, je ne sais pas comment, bon, certains disent qu'elle s'est réincarnée en moi, on va tenir ça entre parenthèses, mais quand j'avais 24 ans, à minuit pile, je me suis posé une seule question, je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui peut-être me demanderont pourquoi cette question, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait à mes 24 ans?
et j'ai vu que je n'ai rien fait. Si je dis que je n'ai rien fait, c'est que je n'ai rien fait d'extraordinaire qui peut impacter les gens, qui a de l'importance à la population, ou qu'on peut utiliser aujourd'hui et voir que oui, c'est Diana Bois qui a réalisé ça. Et donc, j'ai vu qu'elle a lutté contre cette chose, donc elle avait cette fonction, ce qui fait que la maquette également, elle a cette fonction. Donc, historiquement, en premier, la maquette, elle vient de cette idée-là, et après, il fallait imaginer qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à tout ce qu'elle a fait. Donc, là, je vais peut-être, nous, on ne connaît que sa date de naissance et sa date de disparition. Si vous allez chez elle, on va vous dire qu'elle n'est pas morte, qu'elle avait disparu dans les falaises de Bandiagara. Donc, son histoire est très, très, très importante pour nous. Malheureusement, la majorité ne connaît pas son histoire. Je sais que peu de gens savaient qu'elle avait deux enfants. Peu de gens savaient qu'elle était, qu'elle avait un don de Dieu, qu'elle arrivait même à éteindre des moteurs à distance, qu'elle a fait beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas, mais allez apprendre son histoire, peut-être ça va vous motiver dans beaucoup de choses. Et donc, voilà la petite industrie que j'ai mis en place pour le moment. C'est une industrie de production d'alimentation animale au sein du département de Linguère. Et bon, là, c'était une phase d'installation. Et actuellement, nous avons commencé la production. Donc, pourquoi ça dérive d'ici? Vous pouvez aller à l'étape suivante. Quand j'ai commencé à faire la production d'alimentation animale, j'ai fait des audits. Parce que quand vous faites de la production animale, il y a le bétail et le volaille. Et pour le volaille, la majorité des agriculteurs me disaient « Notre principal problème, c'est le changement climatique. » Et donc, j'ai dit « Bon, moi, je cherchais déjà à avoir une idée pour répondre à l'incito. Si on me relève des problèmes et dire que l'entrepreneur, c'est la personne qui cherche des solutions à des problèmes bien définis. » Et donc, Jacques Ma nous disait également que la jeunesse, c'est la solution à toutes nos inquiétudes. Donc, s'il y a des inquiétudes, étant jeune, je suis censé peut-être trouver une solution. Et donc, nous allons passer aux autres étapes. Ça, c'est la production qu'on fait. Et voilà. Le 25 mars, j'aime trop la date, à 2h du matin, je me suis réveillée. J'ai dit, là, il faut que je trouve une idée avant de m'endormir. Et j'ai pris mon cahier, j'ai pu dessiner. Je ne pensais même pas que c'était faisable parce qu'on n'a pas accès à des laboratoires pour des tests. Les matériaux sont très chers, les matériels sont très chers. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles pour faire ce projet-là. L'assistance aussi. Certes, j'ai fait des études en génie électrique, informatique, industriel. Donc, j'ai fait un peu de l'info et tout, mais il faut de l'aide par-ci, par-là. Et je ne maîtrisais pas également genre, toutes les conditions qu'il faut pour un agriculteur pour réussir son projet de production. Donc bon, j'ai fait des imaginations, j'ai fait le démarrage, croissance, production. Ça, c'était vraiment une idée pour essayer de regrouper toutes les idées qui me venaient en tête. Et par la suite, j'ai fait la conception le lendemain, 3D. Et bon, j'ai vu que c'est possible. Comme je suis passée à l'imagination déjà en prototype virtuel, ça veut dire que c'est possible. Et vous dire que je l'ai fait en 3 mois avec l'équipe, on était 2 déjà, l'autre il est en Italie. Pourquoi lui? Parce que pour l'amener au Sénégal et pour faire des tests, il fallait que je le fasse passer en Italie. C'était beaucoup plus moins cher. Donc la réalisation. Par là, juste pour vous dire que croyez à vos rêves. Hein. C'était un rêve, aujourd'hui c'est une réalité. Et je sais que durant cette année-là, nous allons physiquement le mettre en place, peut-être avec 2 réalisations même, au niveau du Mali et à côté de Touba. Voilà, nous allons voir ces fonctions. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, quand ils ont vu la baguette, à quoi ça sert? C'était la première question. Donc la première fonction, c'est que ça permet de modérer la température. Nous savons qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de réchauffement climatique, même si je ne parle pas du thème réchauffement climatique pour dire que nous sommes peu intéressés, parce qu'il y a il y a plus d'industries dans certaines zones qu'au niveau du Sénégal, dans certaines zones. Par exemple, au niveau du département de Linguère ou région de Louga, il y a pratiquement d'industries par rapport à Dakar, Diamniadio. Donc, nous, on a pensé aux agriculteurs, on s'est dit, la production concerne 3 phases. La première phase, l'agriculteur a besoin d'une température de 42 degrés. Mais à la dernière phase,
Il a besoin d'une température de 30 degrés. Vous imaginez dans une zone, et vous savez tous, c'est ouvert, c'est pas fermé. Donc c'est impossible avec la personne de modérer sa température. Donc nous, on a cherché un système autonome qui permet de gérer tout sans pour autant que l'agriculteur puisse intervenir ou même puisse faire quoi que ce soit. Donc ce système nous permet, je vais l'allumer, donc vous voyez automatiquement que l'ART de 144 s'allume et c'est là qu'on arrive à modérer c'est là qu'on arrive à gérer les températures. Si à distance vous voyez que le bouton rouge s'allume, ça veut dire que les ventilos sont allumés, c'est-à-dire que la première phase est finie et que le système demande une température beaucoup plus basse de 32 degrés par exemple. Et que c'est le système automatiquement, il sait que nous sommes à la deuxième phase de la production et que nous devrons rabaisser la température ambiante à 37 degrés. Et si par exemple nous étions, il fait froid en hiver et qu'il fait 5 degrés, vous n'allez jamais voir ce bouton s'allumer. Parce qu'il fait déjà 5 degrés, les poulets de chair, ils ont besoin d'une température beaucoup plus haute. Donc c'est les chauffages qui vont s'allumer. Pour l'instant, on a utilisé un chauffage et vous allez le voir là-bas, dedans. La personne elle-même peut gérer la température en jouant avec ses boutons, mais le système, il est autonome. Oui. Voilà, merci. Le système, il est autonome. Donc, nous pouvons coder le ART 244 de telle sorte qu'il sait, par exemple, ici, il y a un affichage. Il sait que nous avons dépassé les 15 jours. Nous allons remonter dans la deuxième phase. Il va automatiquement changer la température, pas automatiquement en 5 secondes, mais modérer la température de telle sorte que ça ne va pas déranger les poulets de chair, sachant qu'ils sont très sensibles à la température et autres. Ce qui est important aussi, pourquoi le système est très fermé, c'est parce qu'aujourd'hui, avec le vent, il y a beaucoup de bactéries, il y a beaucoup de maladies. Les agriculteurs, ils trouvent des sujets qui sont malades sans savoir le pourquoi. Et nous, si aujourd'hui, on arrive à fermer le système, nous avons des humidificateurs qui permettent de gérer l'échange de chaleur et tout, donc. Peut-être certains vont savoir, ce qui fait que nous allons réduire les maladies dans ce genre de poulailler-là. Donc, la première fonction, c'est de gérer d'abord la température, qui était vraiment le véritable problème. Et ensuite, vous pouvez passer. Oui, donc là, on a une sonde qui gère la température dedans, qui nous donne l'information. Nous avons le radiateur et là-bas les ventilos qui sont ici au niveau des deux côtés. Ils permettent de gérer la température interne et externe du poulailler. Voilà, donc avec le bouton rouge, on peut gérer tout ce qui est ventilation. Et le blanc, on peut gérer tout ce qui est chauffage. Et là où vous voyez les 25 degrés par exemple, c'est le système qui demande 25 degrés. Mais en dehors, on avait 26 degrés. Donc, il joue avec ça, il regarde la température présente dehors et ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, toi, à distance, tu peux voir la différence de température qui existe et tu pourras voir, oui. Même à distance, tu peux savoir, je suis à quelle phase de production. Si tu vois 30 degrés, tu sais que tu es à la dernière phase, tu te prépares pour l'abattage. On passe à la deuxième fonction. Il permet d'assurer l'autonomie en énergie. Quoi qu'on puisse dire, c'est trop cher l'énergie, même si c'est peu. C'est pour ça qu'on a pensé à utiliser un système solaire ou le biogaz. Donc moi, en personne, j'ai testé le biogaz avec 500 000 francs. Et aujourd'hui, dans le champ de mes grands-pères, je pense la dimension, c'est des hectares, mais il y a une autonomie en énergie. Ils ne payent pas l'électricité. Quoi qu'il soit, ils ne payent pas l'électricité. Peut-être certains savent le système biogaz. C'est juste prendre tout ce qui est biodégradable, de le mettre dans un système fermé et avec le système, ça va produire de l'électricité. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a relié ce système biogaz à des panneaux solaires, c'est-à-dire, un jour ou l'autre, s'il n'a pas d'engrais ou des trucs biodégradables, il pourra utiliser le système solaire, même si c'est en hiver. Donc, nous avons pensé à cette fonction-là. Il y a également une autre fonction, la troisième. Encore. Déjà, permet la surveillance à distance. Tu peux juste
encore, voyez les caméras de surveillance, mais également, il y a l'alarme à côté. Donc, le caméra de surveillance est directement relié à l'alarme. Et si toutefois, on peut gérer l'alarme de telle sorte que, par exemple, on se dit, vous entendez, là, on a mis, par exemple, une distance de 1 mètre, voilà le son, ou 10 mètres, ce qu'on entend, mais on peut le également coder à des kilomètres. Depuis chez toi, tu peux rester 45 jours sans intervenir ici, et tu peux voir tout ce qui se passe au sein de ton poulailler. Et si toutefois il y a une intervention, toi, tu entends le son, en même temps, il prend une capture automatique pour te l'envoyer sur ton téléphone. Ce qui fait qu'on a ça. Donc c'est un truc qu'on va... Là, je l'ai mis comme ça, mais c'est sûr que ça sera très caché au cas où s'il y a des gens comme moi qui sont là que pour détruire. Donc tu sauras qui l'a détruit, quand, comment et voilà, comment ça s'est passé. Tu pourras le poursuivre peut-être en justice parce que ça coûte trop cher. Ensuite, nous avons une autre fonction. Ça gère également l'approvisionnement en eau et en aliments automatiquement. Ici, nous avons juste mis une vase en guise d'exemple. Donc, si vous voulez, on peut tester ça. Sinon, je le teste à la fin. Je teste maintenant ou à la fin? On va tester maintenant pour l'eau. Et... Voilà. Donc, si je l'avance... Donc, vous voyez tous, dedans c'est vide. Et ce que j'ai là, c'est ce qui permet à la vase interne de voir si l'eau, si les poussins qui sont dedans ont une suffisance en eau ou pas. Donc, si toutefois l'eau vient jusqu'ici, c'est bon. Mais si toutefois l'eau vient ici et ne touche pas, par exemple, ça, ça veut dire que c'est vide. Et automatiquement, lui, il va relancer l'approvisionnement. Donc, nous allons tester. Cette vase est vide, ce qui fait qu'on a ça où tu peux le relier à une source d'eau, que ça soit forage, puits, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est la même chose que l'aliment. Dès que c'est vide, ça va automatiquement remplir la vase. Comme ça, on avance très vite, on signale le temps. Voilà, c'est ce que j'ai ici, et ça, c'est le réservoir avec une pompe, et vous pouvez régler le débit également de l'eau. Et voilà, ça va remplir en interne. Donc, on passe à la cinquième fonction. L'éclairage, il est automatique. Ici, on a de la lumière, mais si j'éteins, par exemple, par ce bouton-là, s'il n'y avait pas de lumière, vous allez voir que ça va s'allumer automatiquement. Si vous voulez, on peut tester aussi, sinon, ce n'est pas grave. On éteint, voilà. C'est bon. Donc, je rallume la maquette. On passe à la sixième fonction. C'est la communication. Donc, la maquette, elle communique avec la personne. Par exemple, notre caméra permet de... Par exemple, si toi, le propriétaire, tu es chez toi, ici en France, et tu vois avec ton téléphone qu'il y a un problème, que l'eau s'est vide et qu'il n'y a personne, peut-être il y a un problème avec notre vase, tu peux automatiquement cliquer sur un bouton et ça va lancer un appel. Tous ceux qui sont ici, tous les gérants, ils peuvent entendre ce que tu dis et peuvent agir. Nous avons aussi la communication avec l'écran LCD qui permet de rappeler les vaccins que l'agriculteur doit faire, mais également en cas de rupture d'eau, la vanne, ça va s'allumer automatiquement. Donc toi, à distance, si tu vois que la vanne s'est allumée, tu sais que l'eau est vide dedans et que c'est en train de remplir, donc les poulets, ils boivent bien. Donc la septième et la dernière fonction,
c'est nous avons bouton d'urgence, soit il y a un problème et que tout est fini, tout s'allume, mais également nous avons l'éclairage, ce que j'ai montré tout à l'heure, et au niveau d'eau, à distance, tu peux tout voir, ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Donc, pour finir, tout le monde peut-être va me demander mais combien ça coûte. J'ai pensé à... Bon, la huitième fonction, elle n'est pas encore prête, c'est... Il y a Ndiadia qui est là. Il va maîtriser peut-être ce système de deep learning, ce qui va nous permettre de détecter les maladies. Si toutefois, si toi tu produis par exemple 40 000 poulets de chair, tu ne peux pas venir et scanner chaque poulet de chair pour voir s'il est malade ou pas. Donc au-dessus, nous avons passé un scanner automatique qui va nous dire c'est où, par exemple, en 10 mètres carrés, lequel est malade, tu l'enlèves pour ne pas que ça contamine les autres. C'est très important ce système-là. Donc, on me signale le temps encore, on va passer plan de construction. Donc, pour ceux qui sont là, nous avons déjà prévu des plans de construction. Après, si tu veux produire 20 000 poulets de chair et que tu n'as que 10 mètres carrés, on peut le construire en hauteur, comme ça tu as autant que tu veux. Mais ça devient beaucoup plus cher. Donc là, c'est le rez-de-chaussée où on peut voir la salle de stockage des aliments, des matériels et tout, la couveuse aussi. Nous avons des escaliers ici. Et au-dessus, vous voyez les deux vases d'eau et aliments. Là-bas, vous voyez la salle pour un gardien et la salle de maintenance, sachant que nous avons également le compostage qui est juste là-bas. Tout en haut, vous avez une salle pour le compostage. Vous savez, le compostage, s'il y a des déchets, vous pouvez le mettre dedans, ça produit de l'électricité. Donc, on passe à la suivante. Voilà à quoi ça va ressembler après. Vous pouvez voir ici comment l'aliment va être distribué. Voilà, l'aliment va être distribué automatiquement sur les lignes. Et là, vous pouvez voir la construction en hauteur avec tout ce que vous voulez. On passe encore. Allons-y. Encore une image qui est très beau. Ça, c'est très joli. Ça, j'aime bien par contre. Voilà, ceux qui veulent faire de l'agriculteur. En face de mon balai. Voilà, vu, c'est comme ça, les vases d'eau et aliments, personne ne peut intervenir si tu ne veux pas qu'ils interviennent. Tu peux tout gérer à distance. S'il y a un monsieur Barum qui veut, attends, je vais voler un poulet là. Si Ndiaye ne veut pas, ça ne va pas passer parce qu'il peut gérer tout à distance avec son téléphone. On passe. Voilà, donc les plans, la matière qu'on va utiliser. Nous avons soit cette matière-là, les conteneurs, tu peux encore appuyer, soit nous avons la terre cuite ou la terre crue. Quelle est la différence? Ici, nous avons une rapidité d'installation. En un mois, deux mois, on peut installer ça. Par contre, ça prend du temps. Ensuite, tu peux le déplacer et modifier ton poulailler quand tu veux, comme tu veux. Là, tu ne peux plus, c'est des briques. Ici, par contre, on a la possibilité de gérer la température parce que les anciennes constructions, si vous allez à Saint-Louis aujourd'hui, vous voyez plus des constructions comme ça. Parce qu'avant, nos parents ne connaissaient pas les ventilos, les chauffages. C'est ça qui modérait la température. Si vous voulez vraiment avoir une maison froide, calme, où il ne fait pas très chaud, voilà la construction préférable. Et ça remonte à l'originalité des racines, qui est le slogan de mon entreprise. J'ai beaucoup remonté de l'histoire. Vous voyez, depuis Malan, on parle d'histoire. À l'Institut Odiat, on parle d'histoire. Et la terre cuite, ça revient de l'histoire encore. On passe à... Cependant, l'argent. Nous, on a 3 clients actuellement. Et je n'ai pas facturé, par exemple, ce que je gagne. J'ai facturé ce qu'on peut construire. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce terme-là. Mais d'œuvre que vous voyez, c'est les gens qui vont gérer les choses. Moi, personne, ce qui m'anime à mon âge, c'est de voir des choses que j'ai réalisées. Après, l'argent, ça compte beaucoup, mais je pense que Bokar a parlé un peu. Si vous avez un projet de voir plus le côté humain que, même si les entreprises, ils parlent plus de la fortune, de l'argent, moi, je mets très en avant le côté humain, l'impact humain. Aujourd'hui, le Sénégal est en construction. Et c'est les 65% qu'on a cités tout à l'heure qui doivent construire le Sénégal. Voilà, je
dis, l'Europe est déjà construite, excusez-moi, mais vous avez tout ce que vous avez besoin aujourd'hui pour vivre 100 ans ou 200 ans. Mais nous, sans l'interaction de la jeunesse avec ce qui nous dirige, nous ne pouvons pas avancer d'un pas en avant. C'est très compliqué, vous savez ce que je dis. Donc, pour ce poulailler, en terre cuite, il faut au minimum 20 millions. Mais, en une année, la personne peut avoir un chiffre d'affaires plus de 47 millions. Nous avons étudié le business, nous savons le marché, minimum le prix d'un poulet de chair, c'est 3 500. Et si vous arrivez à gérer tout l'aliment et autres, vous pouvez avoir jusqu'à 4 kilos, donc augmenter votre prix. Si vous gérez la clientèle avec les, je sais pas, Abyss Garden, Jollof Chicken, KFC, vous pouvez écouler votre produit. Et si c'est l'autre, par contre, ça sera beaucoup moins cher, mais je saurais vous dire la somme parce qu'on n'a pas fini les choses. Je pense que c'est la fin. Oui, c'est la fin, t'inquiète. Je suis là, l'entreprise est là. Merci de votre attention. Je sais que vous avez... Donc je pense que les acclamations de la salle expliquent tout. Donc c'est Madame Jane Abandiaye. Combien déjà le projet? 20 millions, 40 millions? 20 millions. Nous avons des personnes ici, peut-être des investisseurs. C'est déjà fait. Un investisseur. En attendant, je vais demander à Monsieur Barrault de venir. En CFA, CFA, CFA. En CFA. À Monsieur Barrault qui va vous remettre le diplôme d'honneur. Un diplôme d'intervention. Juste pour que les personnes suivantes soient prêtes. Donc nous aurons Monsieur Bala Sissoko juste après et ensuite Monsieur Mustapha Cham. En sachant pour un problème de timing que c'est 10 minutes effectivement par présentation. Même si là, bah, vous voulez voir, c'était... Voilà. Donc on va demander à Monsieur Barrault. Elle va vous donner la carte de visite. Monsieur Barrault, on va y aller pour... Monsieur Bala Sissoko, est-ce qu'il est là? D'accord, on vous demande juste de vous apprêter. Et pour le diplôme, il va falloir qu'il... Juste une petite précision pour Diyanaba. Je te félicite. Et un de mes associés qui s'appelle M. Kiran, qui est indien, t'a octroyé une bourse de 15 000 euros. Merci. Donc il y a déjà 15 000 euros. On a l'honorable député aussi. Vous voulez faire la surenchère ou il est où? Honorable député, vous étiez intéressé. On a déjà entendu 15 000 euros. 15 000 euros, c'est combien en CFA déjà? 10 millions. Elle a besoin encore de 30 millions. Bon, nous avons aussi le conseil de la jeunesse, donc on ne va pas s'inquiéter pour les 40 millions. Donc en attendant qu'elle... en tout cas, félicitations à Mme Guillaume-Mazel. Il y a 15 000 euros. Monsieur Bala Sissoko, le prochain candidat. Effectivement, elle a une bourse également, donc du gouvernement du Sénégal, hein, c'est bien ça. Okay. Donc, bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, M. Barrault et l'ensemble de son équipe. Merci, M. le Consul, de votre présence et honorable député. Je tiens à saluer aussi tous qui sont déplacés pour être là aujourd'hui. Je m'appelle M. Sissoro Bala, un jeune Sénégalais en immigration depuis 15 ans. Donc, je suis en jeune directeur général de BCVR. BCVR, cela veut dire Bédenkunko. En ma langue, cela veut dire le sang de tout le monde. Cela veut dire Bédenkunko. Donc, voilà, il va montrer un peu de vidéo. Vous allez savoir ce que je fais sur place,
Actuellement, j'ai 14 jeunes qui travaillent pour moi, bon, qui gagnent leur vie en étant chez soi, et dans l'agriculture et l'élevage. Je fais un peu de tout. Cette année, dans mon village, j'ai fait 22 tonnes de maïs que j'arrive à partager pour les gens du village. Bon, partager, mais à vendre à bas prix pour que mon village puisse s'en nourrir tout seul, qu'on n'a pas besoin d'importer d'alimentation d'ailleurs. Je faisais 1200 poulets par mois et tous les 1200 poulets sont consommés local, sur place, dans mon village. Je fais le maraîchage aussi, tout ce qui est légumes, fruits, jusqu'aux pommes de terre. Actuellement, je fais la récolte de tous les chaque semaine. On récolte tout ce qui est poivrons, maïs, jarato, pommes de terre, oignons, tout ça là. Donc on fait beaucoup, beaucoup de choses avec mon équipe sur place. Donc moi je suis là depuis 15 ans en France. J'ai créé d'abord ma première société ici en 2018, une société de transport de marchandises. Actuellement ici en France, j'ai au moins 30 salariés. Et voilà, je suis quelqu'un, je sais lire et écrire. Je ne suis pas allé à l'école, on peut dire ça. Je me suis arrêté en CM2 hein, depuis 1998. Du coup, ça fait longtemps. Mais on sait qu'au Sénégal, à l'époque, l'étude est très haute. Même si, quand vous arrêtez à CM1, vous arrivez à vous exprimer bien, écrire et lire. Donc, je félicite aussi nos présidents qui sont fait un boulot de ce côté-là. Donc, moi, je suis venu aujourd'hui pour présenter ma société qui s'appelle BCVR. Comme je vous ai dit, ça s'appelle le sang de tout le monde. Donc le sang de tout le monde, cela veut dire que moi aujourd'hui, ce que je veux, que la jeunesse sur place, je tiens à vous préciser aussi, j'ai payé pour 20 personnes dans mon village qui sont allées se former dans le domaine de l'agriculture. C'est une formation gratuite que j'ai offerte à la jeunesse de mon village. Donc qu'ils puissent se prendre en charge l'agriculture et le leadership, parce que quand on ne parle pas de leadership, et malheureusement, les gens... Il faut le leader d'abord pour créer quelque chose. Donc moi, quand je suis arrivé en Europe, j'étais salarié dans la cuisine. Je suis en chef de cuisine, je travaille avec Thierry Marre. Donc cela veut dire que j'ai fait des bonnes cuisines. Mais donc j'ai changé de métier actuellement, je suis dans le transport. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller investir dans mon pays. Aujourd'hui aussi, moi, c'est que j'appelle l'autorité de mon pays de me soutenir dans mon combat. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai besoin des investisseurs pour que la jeunesse de Tambacounda puisse rester à Tamba, et travailler à Tamba, et gagner leur vie à Tamba, comme n'importe quelle zone de l'Europe. Donc, c'est ça mon combat. Et j'espère qu'on va m'aider à envoyer ce combat-là plus loin. Ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà mon domaine, ils vont mettre en vidéo, que vous allez voir un peu. J'espère que ça marche, la vidéo. Voilà, puis mettre un peu la vidéo pour que la salle puisse voir un peu. Voilà, donc comme je vous ai dit... Voilà, donc comme je vous ai dit, donc si on veut un peu, voilà, si on veut un peu, moi malgré, je peux pas dire mon illettré, parce que quelqu'un qui sait lire et écrire, il n'est pas mon illettré. Mais malgré que je ne suis pas allé loin à l'école, mais j'ai des pensées que je dois exploiter. Moi aujourd'hui, mon combat, c'est le combat de la jeunesse de l'Afrique, on peut dire ça. Je ne parle même pas du Sénégal. Moi, mon combat, c'est le combat de l'Afrique entière, mais dans le domaine de l'agriculture et l'élevage. Parce qu'ici en Europe, on sait très bien qu'on mange à faim. Et pour avoir des idées, quelqu'un qui ne mange pas à faim, il n'a pas d'idée. La seule idée qu'il a, c'est d'aller manger. Donc c'est pour cela, moi je dis, on doit avoir autosuffisance alimentaire de l'Afrique. On ne parle même pas du Sénégal maintenant, on ne va pas partir au-delà du Sénégal, de l'Afrique. Parce que quand on mange à faim, c'est là que les bonnes idées arrivent. Donc c'est pour cela, moi mon combat c'est là-bas. J'appelle les investisseurs à venir investir dans mon projet. Nous allons demander à voilà donc monsieur le consul. Vraiment, je félicite, je suis très content de ce que je vois là. Vous croyez aujourd'hui à notre pays et c'est tout à fait honorable. Et nous, on commence vraiment. On avait toujours su que les choses bougent, mais là, je pense que ça bouge très vite. Parce que Tambacounda, pour ceux qui peut-être qu'ils savent pas, Tambacounda était toujours une région de sanction administrative. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait des problèmes, on disait aux gens, on va le mettre à Tambacounda.
Et aujourd'hui, nous, on sait que comme la Bretagne ici, je l'ai dit il y a quelques jours, comme la Bretagne ici en France qui nourrit 70% de la population européenne, je pense que Tamba peut aujourd'hui nourrir au-delà du Sénégal outre-mer. Et franchement, félicitations. Merci beaucoup. Et je suis honoré. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur Sissoko. Donc, on va demander à monsieur Moustapha Cham. Mais vous voyez que nous avons des talents. Hein, et c'est extraordinaire. Et comme il dit, il n'y a pas besoin d'aller. Si, c'est important de faire des études. Mais tout le monde a sa chance. Après monsieur Moustapha Cham, on aura Ousmane John. Et après Ousmane John, Ndiaye Dia. Donc, on attend que. Voilà. Donc, monsieur Moustapha Cham, qui est le CEO de Exigence IT. On est en plein dans le numérique et dans la RH. Auteur de L'adversité, mon allié, un auteur également. Et donc, on est en plein dans les salons de nouvelles technologies. Donc, monsieur Moustapha Tchamsou, vos applaudissements, s'il vous plaît. Qu'il me soit permis de rompre avec la formule classique. En adressant mes salutations les plus respectueuses à l'endroit de cette belle diversité qui nous rapproche et nous unit. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Barrault et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Un événement, pour moi, qui a pour but de revaloriser ou bien de mettre en lumière l'expertise africaine qui, aujourd'hui, est en train de rayonner partout dans le monde. Alors moi, pour ma présentation, va tourner autour de trois axes. Premièrement, peut-être présenter Exigence IT, qui est un cabinet de recrutement. Et deuxièmement, on va présenter la solution que nous avons déployée sur la partie digitale concernant l'éducation. Et troisièmement aussi, on va parler plutôt de manière ramassée le projet du film « L'adversité, mon allié », qui est un film aujourd'hui qui est en train de se produire au Sénégal, mais ici en France. Donc du coup, si vous pouvez projeter juste la petite vidéo. Vous êtes une entreprise à la recherche d'un nouveau collaborateur. Vous êtes un candidat en veille ou à la recherche d'une nouvelle opportunité de carrière. Nous avons la solution pour vous. Cabinet de conseil en recrutement dédié à l'accompagnement de l'efficience IT et digitale, Exigence IT recrute vos cadres et dirigeants en France et en Afrique. Pour nous, l'expertise métier appropriée au succès des entreprises doit être accompagnée de conseils et d'assistance spécifiques. À cette fin, nous valorisons le capital humain au service du bien-être de nos candidats et de la performance des organisations. Pour nous, recruter, c'est garantir l'intégration d'un collaborateur. Alors, offrez-vous la chance de trouver le job de vos rêves ou de recruter le candidat potentiel en créant votre compte MyExigence. Exigence IT, le partenaire de votre carrière. www.exigence-it.com. Ok, merci. Bon, comme vous le savez, le monde actuel tourne autour des enjeux. Et l'humanité, aujourd'hui, est considérée sur des projets qui interpellent. Alors, donc, nous, par rapport à Exigence IT, pour vous présenter Exigence IT, il s'agit d'un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans les métiers de l'IT et du digital. Nous avons trois pôles d'expertise. La première entité, c'est l'entité data, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du décisionnel, tout ce qui est data viz, data goof, de la BI, de l'intelligence artificielle, machine learning, deep learning. Deuxième entité, c'est orienté infra, c'est-à-dire tout ce qui est système, réseau, sécurité, cloud DevOps, production informatique, télécommunication. Et nous avons une troisième entité qui est assez généraliste parce qu'on est sollicité un petit peu partout, par des clients qui ont besoin des profils qui ne sont pas dans le secteur IT. Donc c'est un pôle fonctionnel où on accompagne les sociétés, quel que soit leur domaine d'activité,
sur des projets, sur des recrutements des profils cadres et dirigeants. Pourquoi on a créé Exigence ID? Parce qu'après 10 ans d'expérience dans les ressources humaines, je me suis dit qu'il faudra aujourd'hui mettre en place une plateforme qui va permettre à toutes les personnes, quel que soit leur lieu d'habitation ou bien quel que soit leur domaine d'activité, à avoir accès à l'emploi. Donc nous avons créé une plateforme internationale de recrutement. Aujourd'hui, il y a plus de 32 000 personnes qui sont dans notre levier, dans notre vivier. Et que l'idée, c'est de démocratiser l'emploi. Aujourd'hui, nous avons 3 offres. La première offre, c'est le recrutement, qui représente 60% de notre activité. On accompagne pas mal de clients par rapport à leurs besoins de recrutement, des profils cadres et dirigeants. Deuxième entité, c'est orienté plutôt sur la partie consulting. Aujourd'hui, il y a plus de 20 personnes, c'est des consultants qu'on embauche en CDI chez nous et qui sont en mission chez les clients. On travaille avec la RATP, on travaille avec SNCF, on travaille avec Orange, on travaille avec Vivendi où on a plus de 5 consultants qui sont là-bas. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les sociétés à mettre en place des projets d'infogérance et pour la digitalisation de leur système informatique. Au-delà de l'exigence IT, nous avons déployé, vu qu'on est dans le secteur IT, nous avons déployé ce qu'on appelle un logiciel de digitalisation du système éducatif. Donc ça, c'est Exigence School. Exigence School, nous l'avons lancé depuis l'année dernière. Il faut noter aussi, moi, il y a 2 ans, j'étais dans mon canapé en train de faire, d'entreprendre, de démarrer. Aujourd'hui, Exigence IT, au bout de 2 ans, on a fait presque plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et qu'aujourd'hui aussi, en termes de recrutement, on a un effectif de plus de 25 personnes. Et l'idée, c'est de déployer aujourd'hui Exigence IT au niveau du Sénégal. D'ailleurs, c'était l'objet de ma visite au Sénégal. Nous avons recruté plus de 7 personnes au niveau local et qui vont accompagner aujourd'hui toutes les personnes qui sont dans le besoin côté emploi et insertion professionnelle. Au-delà de ces actions, aujourd'hui, ce que je tenais juste à dire, c'est de partager cette plateforme. Et aussi, s'il y a des personnes qui sont dans le besoin côté emploi ou bien côté déploiement des logiciels, nous avons des solutions, nous avons des projets qu'on a déjà déployés et on est en train de les déployer un petit peu partout en Afrique. Sur le plan éducation, nous avons déployé ce qu'on appelle Exigence School, qui est un logiciel de digitalisation du système éducatif. Vous savez qu'un établissement a 3 parties prenantes, voire 4. Nous avons les enseignants, nous avons l'administration, nous avons les étudiants et nous avons aussi les parents d'élèves. Et nous, on a réfléchi sur cette problématique, comment mettre en place un logiciel qui va permettre de digitaliser le système éducatif. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui ont les moyens d'accéder à l'éducation. Par exemple, moi, dans le livre que j'ai écrit, L'adversité mon allié, je faisais 7 km à pied pendant 7 ans pour aller à l'école, dans des conditions très difficiles. Et je sais qu'il y a plus de 80% de ces personnes qui ont abandonné l'école. Pas forcément, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'intelligence pour continuer leurs études, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour accéder à l'école. Donc on a déployé ça. Ce logiciel, aujourd'hui, on est en train de le déployer un petit peu partout. Ça digitalise tout le système éducatif, c'est-à-dire depuis l'inscription jusqu'à la remise de diplôme. Et qu'on l'a déjà déployé à Rwanda, on l'a déployé en Europe, donc, et aussi avec nos partenaires indiens. Et on est en train de le déployer aussi aujourd'hui à Tanzanie. Donc l'idée aussi, c'est de le déployer au niveau du Sénégal, parce que étant Sénégalais, c'est d'apporter des solutions. Et ces solutions aujourd'hui, je pense que ça peut révolutionner le système éducatif, mais aussi ça peut révolutionner le système emploi, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent où presque 70% de sa population à moins de 35 ans. Et cette jeunesse, pour moi, je pense que c'est le levier majeur que l'Afrique doit s'appuyer pour se développer. Et pour se développer aussi, on a besoin de former nos étudiants, on a besoin de former les jeunes sur des formations pratiques à travers des solutions qui vont permettre de donner accès à l'éducation à tout le monde. Donc, de manière avancée, c'est ça que je tenais à partager. Merci pour votre attention. On va remettre effectivement un diplôme. Hein. C'est Mustapha Thiam qui fait beaucoup de choses, qui a écrit aussi un livre qui s'appelle L'adversité,
Moustapha Thiam, l'adversité est mon allié. Et il fait beaucoup aussi pour la communauté, la diaspora. Donc je pense que pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut vraiment l'applaudir parce qu'il s'investit vraiment, vraiment, vraiment. Et nous allons demander à Dieu de lui remettre ce diplôme. Merci Moustapha Thiam. Nous avons pas mal de, il nous reste encore pas mal de candidats, hein, qui en fait de candidats ou de porteurs de projets, mais on va profiter juste avant le prochain de Monsieur Biram Gueye, qu'il puisse faire une petite allocution qui est ce qu'on peut appeler un serial entrepreneur et donc Monsieur Biram Gueye sous vos applaudissements bien sûr. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je suis enchanté d'être ici aujourd'hui et je me sens un peu revivre. 2007, j'étais invité à Dakar pour les 50 ans, l'anniversaire des 50 ans de l'université Cheikh Diop, et j'avais fait une conférence sur le thème de l'innovation et de la création d'entreprises. Je m'appelle Biram Gueye, donc entrepreneur, parce que j'ai créé ici, en France et en Europe, 3 sociétés américaines et 2 sociétés allemandes, principalement autour des nouvelles technologies. Et tout est parti de 98. J'ai vu que Bala Sissoko nous disait qu'il est né en 98. 98, il y avait la Coupe du monde de football en France. Et j'étais le directeur de projet informatique pour cette Coupe du monde en France et aux États-Unis. Et c'est après cette Coupe du monde que les chasseurs de tête, voilà, me chasser, et j'étais devenu, chaque fois qu'il devait lancer de nouvelles start-up en France, Angleterre, Allemagne, il m'appelait. Ce qui fait que je dis beaucoup. D'ailleurs, parce qu'une bonne partie de mon activité maintenant, c'est toujours entreprise, mais aussi professeur associé. Peut-être qu'il y a quelques-uns de mes anciens étudiants ici, parce que je suis maître de conférence associé dans beaucoup de grandes écoles, l'école des travaux publics de Paris, IONIS STM, je vais démarrer bientôt à HEC, hein, je le fais aussi au CESI, dans énormément d'entreprises qui m'ont tous attrapé par le volet de l'entrepreneuriat. Il y a 10 jours, j'étais au Cameroun, à l'Institut des Relations Internationales, n'est-ce pas, qui forme les diplomates et les ambassadeurs, les futurs ambassadeurs. Et là-bas aussi, le thème, c'était entreprendre dans un monde déséquilibré et en mutation. Donc, vous comprenez pourquoi, hein, j'ai le sourire jusque-là. Là, les présentations que je viens de voir m'ont complètement mis sur une autre planète. Je suis vraiment très, très, très content de voir qu'au Sénégal, on est arrivé maintenant à l'ère des applications. Parce que 99, on avait une réunion à Washington DC, dans notre entreprise, et on avait invité Buzz Aldrin, qui était parti sur la Lune avec Neil Armstrong. Et l'intérêt de l'invitation de Buzz Aldrin, c'était pour nous démontrer qu'avec les nouvelles technologies, c'est fabuleux, mais tant qu'ils n'avaient pas des applications, comment les gens vont s'alimenter, les habits qu'ils portaient, ils ne pouvaient pas aller sur la Lune. Donc vous vous rendez compte, ce que j'ai vu, Diaynaba et Bala, et le dernier qui est passé avec Exigence IT, on se rend compte qu'aujourd'hui au Sénégal, on a compris et que nos jeunes
sont en train d'innover. Vous voyez, l'innovation, c'est apporter une nouveauté. Apporter une nouveauté qui crée de la valeur économique et ou d'usage. On est dans un monde qui est dit VUCA. N'est-ce pas? Peut-être que vous connaissez bien l'acronyme. VUCA ou VICA. Oui? Volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est dans cet univers-là qu'aujourd'hui, entreprendre demande du leadership. Il est là, Bala? Bala, bravo. Il ne suffit pas de faire des études. Non, Bala a énormément de mérite et Bala nous montre le chemin. Bala, il a ce qu'on appelle de l'entrepreneurship. You got it? Ah ouais, moi je pense qu'il faut applaudir Bala encore. Il faut applaudir tout le monde, mais Bala, ouais. Et aujourd'hui, partout où je passe dans le monde, hein, je rentre de Houston, je dois aller faire des conférences sur ce thème au Vietnam, je suis invité, je vous fais une confidence. Je suis invité partout, sauf dans mon propre pays. Malheureusement. Donc, je remercie vraiment les organisateurs qui m'ont invité. Et je remercie surtout mon jeune frère, mon ami avec qui j'ai travaillé, Nigomas, que vous allez voir bientôt, qui a insisté. Donc, c'était très serré. Mais ouais, je le dis, même si je devais courir pour venir assister à ça, et ce que je viens de voir, et je suis sûr que les projets qui vont suivre vont pousser chacun d'entre nous à retourner dans notre cher pays, dans notre cher continent, et pour en faire le continent où tout le monde voudra venir dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci. Bon, je pense que le message a été retenu. Il sera bienvenu et invité au Sénégal, son propre pays quand même. Donc, j'avais annoncé donc c'était Ousmane John. Juste un instant, Ousmane John. On va faire passer un invité. Un invité très connu, mais on va déjà passer la vidéo et on va vous le présenter juste après la vidéo, si on peut envoyer la vidéo. En attendant la vidéo, donc c'est une personnalité qui vient du Sénégal. Donc c'est pour ça, hein, en fait, on va le faire passer, qui est très connu, hein, du public sénégalais, et un défenseur du consommé local, et qui met en avant le consommé local sénégalais. Donc là, je suis en train de meubler pour que la vidéo puisse arriver en attendant. Si vous l'avez compris. Continue. donc, en même temps, on a eu des porteurs de projets formidables. Et jusqu'à présent, j'ai encore en tête les 54 milliards du fonds de la jeunesse. Et je pense que là, sur... Monsieur Bala Sissoko, il faudra pas. Ils sont partis, mais je pense que vous avez le contact du consul, donc il ne faudra pas hésiter. Et donc ça a été. C'est pour ça qu'on dit, hein, le Sénégal, mais aussi l'Afrique, de la diaspora africaine, on a pas mal de talents. Là, vous avez vu l'agroalimentaire, vous avez vu le projet, vous avez vu aussi Bokarsi, Dienaba. Vraiment très bravo. Et encore les autres qui vont venir tout à l'heure, c'est encore meilleur, en sachant que nous aurons un défilé de Sadio B et un concert de Nigomas. Nigomas aussi qui a beaucoup contribué ou qui est un des contributeurs de cet événement. Et en sachant qu'on a pris quand même un peu de retard, il est déjà 14h10.
C'est bon pour la vidéo? Oui. Ok. On ne peut pas vivre plus de 400 ans d'esclavage, vivre la colonisation, la néocolonisation, toutes ces oppressions-là, et continuer à dépendre de la Russie pour le blé, à dépendre de la France, des États-Unis pour s'habiller, alors qu'on a des Sénégalais ici qui peuvent nous le faire. Je m'appelle Simon Kouka, artiste, rappeur, producteur. Je suis aussi initiateur d'un nouveau concept Solofi, s'habiller local, qui est dans le but d'inciter les Sénégalais à plus s'habiller chez nos artisans tailleurs locaux, maroquiniers, cordonniers, qu'à acheter des articles importés. Dans le milieu du rap, je fais, on va dire, une musique assez engagée. Et étant dans l'engagement, on a beaucoup été inspiré par des gens comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia. Il y a énormément de personnes qui nous inspirent. On est souvent habillé en tenue importée, venue d'ailleurs. Et je voyais à chaque fois, dans chaque coin de rue, il y avait des tailleurs. Et je me suis dit, il est vraiment temps qu'on s'approche de ces tailleurs, qu'on leur demande voilà, s'ils peuvent nous faire des tenues en corrélation avec le hip-hop et qu'ils peuvent remplacer ces tenues de marque que nous portons d'habitude. J'ai commencé à commander pas mal d'habits chez ces gens-là et je voyais qu'il n'y avait vraiment aucune différence. Et des fois, c'était même plus beau, plus esthétique. On a l'impression que c'est un pull qu'on a pris et qu'on a rajouté ce tissu de wax, alors que c'est lui qui a tout cousu. Quand vous voyez le col, c'est super bien fait. Vous avez l'impression que c'est du prêt-à-porter. En termes de design, c'est magnifique. C'est ce que font les grandes marques. Quand tu vois le travail, la finition, la couture, voilà, les détails, tu te rends compte que voilà quoi, c'est extraordinaire quoi. Dans Solofi, on a enrôlé 112 artisans. Depuis qu'on a commencé à travailler avec ces jeunes, je les ai mis en relation avec des gens comme Sadio Mané, comme Gana Gueye et d'autres. Les gens les appellent et font des commandes. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux avaient une machine, mais aujourd'hui se retrouvent avec 2, 3, 4 machines. Beaucoup d'entre eux travaillaient dans certaines conditions, mais aujourd'hui, ils ont leur atelier qui est plus large, plus ouvert et plus accessible. Donc, ça les impacte directement. Si moi, je prends mes 20 000 francs et je vais chez un artisan acheter des chaussures, cet artisan paye l'électricité avec. Cet artisan donne à sa femme pour aller au marché. Cet artisan achète de l'essence, du crédit. Et dans tout ce qu'il achète, il y a une taxe qui va dans les caisses de l'État. Au-delà d'impacter ces jeunes artisans directement, vous impactez l'économie locale parce que l'argent reste ici et l'argent circule ici. Si on achète du made in je ne sais où, l'argent va vers ces pays-là. Aujourd'hui, moi, je rêve de voir en Conseil des ministres tous les ministres s'habiller en costume africain local chez nos artisans. Que chaque ministre se dise, moi qui suis de Kolda, c'est un artisan de Kolda qui m'a fait cette tenue. Celui que le ministre de Saint-Louis me dit, c'est un artisan de Saint-Louis qui m'a fait cette tenue. Ça lance un message. Et ça permet aussi aux gens de cette commune-là d'aller s'habiller chez l'artisan qui va être obligé d'employer des jeunes, de former des jeunes. Et l'emploi sera boosté, l'économie sera boostée. C'est ce message-là qu'on aimerait lancer et dire aux Sénégalais, peu importe le modèle, peu importe le style, nos artisans peuvent vous le faire. Et on est très optimiste parce qu'on voit qu'ils sont en train de venir en main. Bravo, le consommer local. On essaiera, donc voilà, sous vos applaudissements, M. Simon lui-même présent, Simon Kouka, le défenseur et porte-voix du consommer local sénégalais. Solofi. Solo. Salam alaikum à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je tenais d'abord à remercier mes amis et grands frères de Sen Investissement. J'étais avec eux à Dakar. On a fait le porte-à-porte. On est passé partout pour justement que ce salon puisse arriver aux oreilles de nos autorités, pour qu'ils puissent s'imprégner de l'importance pardon, de ce salon et qu'ils puissent donner la chance à des jeunes entrepreneurs de pouvoir décoller.
Ce que j'ai vu tout à l'heure venant de Djenaba, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si elle était née en Inde, je crois qu'actuellement elle serait millionnaire. Si elle était née aux États-Unis, ça serait autre chose. Mais je crois que l'erreur, c'est d'être née au Sénégal. Mais on va faire avec. En Afrique, on est champion de tout ce qui est théorie. On aime bien parler. Faisons ceci. Allons vers ça. Personne ne va vers ça. Ça fait 25 ans que je fais du rap. Plus de 25 ans d'ailleurs. Mais il y a 25 ans, en 98, j'avais fait mon premier morceau engagé. C'était contre le parti PS du temps de Abdou Diouf. Le morceau s'appelait Politi Chien. Et c'est de là que vient d'ailleurs la fameuse compilation Politi Chien produite par Mr. Kane, où justement on dénonçait les dérives du pouvoir, du système qui avait pour nom Diouf. C'est en 98 que j'ai fait pour la première fois de la prison, parce que justement j'avais fait un morceau engagé. Au secours Satie Wari Ominyon Yide, au secours Satie Politicien Yang Nure. À cette époque, les policiers pouvaient te trouver sur scène, te prendre, t'amener, te bastonner, te faire faire des pompes jusqu'à 5 heures du matin, et le lendemain, tes parents viennent payer 7000 francs pour qu'on te relâche. C'est ce qui s'est passé en 98. En 2000, j'ai voté pour la première fois en 2000 pour le président Abdoulaye Wade. En 2000, rebelote, quand on a revu les dérives de ce même président, on est monté au créneau avec des morceaux. Et après, on a créé le fameux mouvement Y en a marre, dont je suis membre fondateur. Quand on a lancé Y en a marre, on a mené la bataille. Beaucoup de gens ont perdu la vie. On s'est battu contre un troisième mandat. Et il s'en est suivi de nombreuses arrestations. Est arrivé Monsieur le Président Macky Sall, notre grand frère, comme il veut qu'on l'appelle. Et on est en train de revivre quasiment la même chose. Même si beaucoup de choses ont avancé, on n'en disconvient pas. Il y a eu beaucoup de travail. Mais c'est honteux qu'actuellement on parle, est-ce qu'on va faire un troisième ou non. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que 25 ans d'engagement politique, d'engagement dans le rap. Mais ça fait 3 ans que j'ai lancé ce concept Soul of Vie. Cet engagement a mené à une chose. Aujourd'hui, je suis là à Paris avec des produits de jeunes artisans qui sont actuellement à Dakar et qui vont sûrement se faire connaître aujourd'hui ici. J'ai travaillé avec un jeune qui s'appelle Moussa, qui confectionne des sacs. Les sacs sont dehors. S'il vous plaît, si vous sortez, si vous avez la possibilité d'en prendre quelques-uns, ça serait bien pour Moussa. Moussa avait commencé avec 3 machines. 3 machines à coudre de sacs. Nous avons fait du porte-à-porte. Nous sommes allés rencontrer le port autonome de Dakar. Nous sommes allés rencontrer l'AIBD. Nous sommes allés rencontrer le président de Ripil Khol, M. Dorogay. Nous avons fait le tour. Nous sommes allés partout. Et certains ont fait des commandes, dont l'AIBD, grâce à M. Doudouka, de 10 000 sacs. M. Dorogay, ici présent, qui était ici présent, nous a soutenus pour qu'on confectionne des sacs. Ça a permis à Moussa de passer de 3 machines à 30 machines. De 3 machines à 30 machines. Ça fait 27 jeunes employés pour confectionner des sacs en l'espace de 2 semaines. Un jeune du nom de Cheikh Dal, je crois que vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, qui confectionne des chaussures à base de chapeaux de paysans. Je l'ai trouvé dans sa cour où il confectionnait des chaussures. On me l'a présenté. J'ai présenté Cheikh Dal à Sadio Mané, que vous avez vu tout à l'heure, Garna Gueye, Yassine Degeti, DJ Awadi, Deep Dundukis, énormément d'artistes, énormément de sportifs, de footballeurs, des lutteurs.
Cheikh Dalle travaille dans la cour de sa maison. Aujourd'hui, Cheikh Dalle a un atelier. Il travaille avec un de ses jeunes frères. Aujourd'hui, il a un atelier et il emploie 5 autres personnes grâce à des commandes que Sadio Mané lui a passées, que Ganagay lui a passées, que ces artistes hip-hopers, Mbalakman, Luther ont passées. Et aujourd'hui, Cheikh Dalle a son entreprise et il livre des chaussures jusqu'en Russie, jusqu'aux États-Unis. C'est pour vous dire, 25 ans d'engagement politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse prête plus oreille à la politique et est plus engagée qu'avant. Parce qu'avant, c'était une histoire d'adulte, une histoire de je prends des jeunes, je leur donne 2000 francs, 5000 francs, ils portent des t-shirts et ils viennent applaudir. C'est vrai que ça a changé. Mais depuis que je suis dans Solofi, je vois des gens changer de vie, changer de cadre. Quand on a travaillé durant la Tabaski dans l'Oufi Laïsol pour inciter les Sénégalais à acheter des chaussures made in Sénégal, au lieu d'acheter des chaussures qui nous viennent du Maroc ou de la Turquie ou de je ne sais où, il y a un jeune qui travaille avec nous qui s'appelle Bokar qui est de Kolda. Quand on l'a payé, il a 22 ans. Le jeune me dit, à 22 ans, c'est la première fois qu'il va acheter à sa maman un mouton de Tabaski. Grâce à Solofi. C'est pour justement vous dire que quand je dis qu'on est champion en théorie, nous avons longtemps cité Sankara, consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons, etc., etc. Mais à chaque fois qu'on le disait, on était habillé en Nike, en Adidas, en Reebok ou en je ne sais quoi. Aujourd'hui, on a des artisans au Sénégal qui peuvent vous faire des costumes, qui peuvent vous faire des baskets, qui peuvent vous faire des jeans. Moi, je suis habillé de la tête aux pieds par ces artisans. Vous allez voir dehors, il y a des baskets, il y a des chaussures de ville. Aujourd'hui, c'est nous qui allons dire consommer local, mais on ne va pas vers ces artisans pour acheter. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin du président. Vous savez, durant la Tabaski, les gens achètent des Marrakech from Marrakech pour un montant de 45 milliards. Les Sénégalais achètent pour 45 milliards des babouches venant d'un autre pays, alors que nos artisans de Ngaï confectionnent des babouches qui sont de meilleure qualité. Ceux du village artisanal de Soumbédioun, ceux du village artisanal de Saint-Louis, ceux du village artisanal de Ziguinchor, de Thiès, j'en passe. Mais on préfère les laisser et aller acheter des babouches made in Morocco et on dépense 45 milliards. Le Sénégal n'a pas de tannerie. Ou vient d'avoir une tannerie qui a été reprise par une dame, Madame Diop, qui se bat. Mais 45 milliards, c'est 4 tanneries au Sénégal. On est obligé d'aller jusqu'au Maroc pour acheter du cuir, d'aller jusqu'en Italie pour acheter du cuir. Alors que pour 45 milliards, on peut avoir 4 tanneries au Sénégal. Le message qu'on veut lancer dans tout ça, c'est dire aux Sénégalais, ayez ce réflexe. J'ai besoin d'un sac pour mes enfants pour la rentrée scolaire. Pourquoi je ne pense pas à l'artisan qui est au coin de ma rue qui peut me le confectionner ou aller au village artisanal et l'acheter. Je veux des babouches pour la Tabaski ou la Korité. Pourquoi je ne vais pas acheter chez ceux de Gaï ou ceux du village artisanal de Tamba, de Ziguinchor ou de je ne sais où. Je veux des ceintures. Pourquoi acheter des ceintures Gucci, Yves Saint Laurent alors que Grand Bas le fait. Je veux une chemise. Je n'ai pas besoin d'aller sur les Champs-Élysées pour les commander. KG Style qui m'a habillé peut me le faire. Ayez juste ce réflexe. Je veux une montre. Pourquoi pas aller chez Matili? Pensons local. C'est bien beau les théories, mais commençons petit à petit. Le débat, il est ouvert. Certains me disent, ouais, le wax, ce n'est pas sénégalais. Ouais, les tissus ne sont pas... le coton, il n'est pas transformé au Sénégal. Nous n'avons pas de chaîne. Il suffit de commencer, d'avoir le réflexe de dire 3 fois par semaine, je m'habille chez le tailleur du coin. L'argent reste au Sénégal. Le tailleur donne à sa femme qui va au marché. Le tailleur, c'est avec cet argent qu'il va payer l'électricité où des taxes sont prélevées pour les caisses de notre État. Le tailleur, c'est avec cet argent qu'il va acheter de l'essence, etc., etc. L'argent reste au Sénégal. Et circule au Sénégal et on crée une richesse, on crée une économie. C'est pour ça que Solofi est né et je remercie encore une fois
Abbas Baro, Boubacar Sagna, toute l'équipe de Sen Investissement, de nous avoir donné l'opportunité de venir en face de vous ici à Paris pour présenter ce projet. Et s'il vous plaît, transmettez-le aux frères, aux sœurs, aux cousins, aux tantes, aux oncles, aux mamans, aux papas au Sénégal. Ayez le réflexe d'acheter chez l'artisan avant de penser à acheter ailleurs. Merci beaucoup. Bon, comme il dit, hein, on est beaucoup dans la théorie. J'ai vu dans la vidéo que les ministres aussi, il fallait qu'ils s'habillent en costume. Hein. Je ne parle pas des grands bobos, costume Solofi. J'espère que le message va passer. Je vais demander à M. Barreau de témoigner parce qu'il fait partie également, en tout cas, du process de l'événement de Sen Investment ici. Et on est bien situé ici dans le 18e, hein, parce qu'on a beaucoup de commerçants sénégalais ici. Et j'espère qu'ils vont consommer, ils vont nous vendre du consommer local, parce qu'on est de la diaspora également et on a besoin de ça. Donc juste. Oui, alors, Simon, je tenais vraiment à te remercier particulièrement, parce qu'en fait, même l'origine de la salle, comme tu dis, Baba, nous avions en fait voulu faire l'événement, on va dire comme les autres, hein, au niveau des champs ou ailleurs. Mais Simon nous a dit, je pense que le concept que vous faites, vu que vous travaillez dans le développement pour le Sénégal, le BTP, etc., il y a l'informé, il y a les artisans, il faut aller à la rencontre des Sénégalais et le quartier, c'est le 18e. C'est grâce à Simon. Et je suis impressionné par Simon parce que non seulement il est activiste, mais aussi Simon, il s'approprie du développement en fait sénégalais, parce que on a sionné en fait pas mal de ministères, tous les ministères de tutelle que vous voyez, que ça soit l'agriculture avec monsieur, avec Ali Nguyen, la formation professionnelle avec Maria Massar, le PSE, cher Kanté, Mambéya, en fait tous ces ministères là nous avons sionné avec Simon. Moi, ce qui m'a impressionné, Baba, c'est quand je suis rentré dans le bureau du ministre de l'artisanat, eh bien j'ai trouvé que c'est Simon qui l'avait habillé. Donc, je dis félicitations, Simon, pour le Solofi. Nous sommes là pour œuvrer quand même pour ce Solofi, parce que nous œuvrons quand même pour le développement du Sénégal. Et tout simplement, le Solofi, c'est un concept que nous approuvons, c'est un concept que nous soutenons, et c'est un concept que nous voulons vulgariser pour que ces jeunesses-là puissent quand même prendre la main, prendre leur avenir en main. Et aussi, le Solofi, j'insiste là-dessus, le mot Solofi, c'est un concept quand même qui est très, très, très bien, en fait, on va dire, qui est très bien sorti par M. Simon Koka. Aujourd'hui, si nous tous, nous devons nous habiller en costume africain, ce sera l'idéal. Bon, moi, je me suis habillé en costume, on va dire, européenne, parce que Simon a oublié mon costume, tout simplement. Il devait me l'amener. Voilà. Donc, Simon, je te dis félicitations. Vraiment, merci, parce que ça n'a pas été facile au Sénégal. Pendant 3 mois, nous avons laissé nos femmes, nos enfants, nos familles, nos amis, et on était tout le temps ensemble en train de sillonner pour que cet événement-là tienne lieu. Et puis aujourd'hui, voici l'événement. Je te remercie. Excusez-moi, j'ai juste oublié quelque chose. Solofi, c'est vrai que la première étape, c'est tout ce qui est habillement, accessoires, des sacs, ceintures, etc. La deuxième étape, c'est tout ce qui est alimentaire. Et nous allons le lancer durant ce mois de Ramadan. Je sais que les Sénégalais de la diaspora, on voit beaucoup de paniers Ndogou aux belles-mamans, beaux-papas, à la famille, etc. Mais à chaque fois, ces paniers, c'est du Nescafé, c'est du Nido, c'est des confitures. Pourquoi pas ne pas faire du Arao Fondé, du confiture bouillie, du jus de Bissap au lieu du Coca-Cola, etc. Donc pensez, s'il vous plaît, à faire des paniers. Et on va le lancer durant la Tabaski. Si vous regardez la télé les jours à venir, vous allez voir des paniers confectionnés 100% produits locaux sénégalais. Parce qu'on a aussi des femmes qui se battent. Le monsieur qui vient de Tambacounda, Doumaba et Mofen, on travaille avec Ibu Tambango, qui nous met en relation avec des femmes qui font du miel et qui est bien vraiment emballé dans des bocals, bien emballé avec tout ce qui est sécurité, Veritas, etc. Donc, s'il vous plaît, durant le mois de Ramadan, pensez à faire des paniers 100% produits locaux, au lieu que de continuer à enrichir la France. La France est déjà assez riche comme ça, quoi. Enrichissez le Sénégal, s'il vous plaît. Merci. Solofi veut dire s'habiller local, s'habiller par les artisans de chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.
25 ans de, d'activité, de lutte. Nous allons maintenant continuer avec Ousmane John. Donc Ousmane John de venir, le prochain ça sera Ndiaye Ndiaye. Ndiaye, il est là? Ndiaye Ndiaye, oui c'est vrai. Avec Artifice, avec l'IA, hein, c'est, oui, 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 effectivement. Donc monsieur Ousmane John. Bon, malheureusement, tous ceux qui passent après, on va leur dire la contrainte de temps, mais c'est le jeu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que j'intervienne après Simon, parce qu'après son intervention, Djenaba est en colère contre moi, parce que selon elle, je porte un costume qui est européen. Et, mais je peux vous assurer que ce costume, il vient du Sénégal. J'étais en Europe, ici, mais je l'ai commandé au Marseille Sandaka. Et on me l'a envoyé ici, j'ai payé le transport ainsi que le costume. Djenaba, si tu es en colère contre moi, sache que ce costume vient du Sénégal. Je ne sais pas si c'est européen ou pas, mais je sais que je l'ai acheté sur les commerçants du Sénégal. Donc c'était une précision que je voulais faire. Alors, en 2019, la PAM, le FIDA et l'UNICEF publient un rapport conjointement sur la sécurité alimentaire dans le monde. Dans le chapitre qui concerne l'Afrique, on peut retenir deux chiffres essentiellement. Premièrement, 20% de la population africaine sont en deçà du seuil de sécurité alimentaire. Sur ces 20%, 90% se situent en Afrique subsaharienne. Au Mali, par exemple, une personne sur quatre sont en insécurité alimentaire. Au Congo, 33% de la population. En Éthiopie, c'est 40%. Heureusement pour notre très cher Sénégal, on est entre 16 et 18%. Cela pour dresser deux constats. L'insécurité alimentaire est la menace la plus grandissante auquel les États subsahariens devront faire face. Deuxième élément, la nécessité d'investir dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire est fondamentale. Justement, je vais vous parler de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis chercheur à l'IRD. Je travaille sur le projet de la Grande Muraille Verte au Niger, au Tchad et au Djibouti avec une approche genrée. Je suis également consultant en agriculture où j'interviens dans la phase de conception, dans la phase d'implémentation des unités de production, mais également dans la phase d'aménagement des parcelles agricoles. Concomitamment, dans le cadre de la présentation, je suis champion du Sénégal en débaton, champion aussi de l'Université Gaston-Berger en débaton, champion aussi de la compétition de débaton du mairie de Karmassar et récemment champion aussi de débaton organisé par Pasité France. Donc, pardon? La dernière? De Pasté France. Débattons, compétition de débattons. Après, on va parler de ça. Parlons d'agriculture. Alors, j'ai intitulé ma thématique Entreprendre dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire au Sénégal. Dites-moi quel secteur, je vous dis quelle zone. Cela signifie quoi? Si vous êtes la diaspora, vous voulez entreprendre au Sénégal, dans n'importe quel secteur, dans l'agriculture, dans l'ostriculture, dans la culture cotonnière, venez me voir, je vous dis dans quelle zone. Parce que tout simplement, on appelle ça de l'analyse multicritère. Il faut prendre en compte, d'abord, là où on localise les zones de consommation, là où les conditions physiques ne permettent pas de cultiver une telle culture, donc on fait de l'analyse multicritère, c'est ce que je vais vous présenter en tant que consultant, ce que j'ai fait dans mon domaine. Alors, vite fait, donc, prendre la présentation, les éléments de contexte, quel secteur, les potentialités selon les zones géographiques du Sénégal, excusez-moi, les zones à risque, les défis à surmonter, les perspectives. Allons-y. Donc, dans le cadre de la présentation, essentiellement, quatre secteurs seront concernés. L'agriculture industrielle, l'industrie céréalière, l'élevage industriel, ainsi que la pêche halieutique. Alors, il y a un constat sur les éléments de contexte. La population sénégalaise va en crescendo. Donc,
on voit à travers cette figure, excusez-moi, que la population a augmenté donc depuis 1950 et que les projections du FIDA estiment que, je vais présenter ça vite fait, ça va être rapide pour que je puisse prendre. Voilà, donc ça c'est les modélisations mathématiques qu'a fait le FIDA. Donc à force que la population s'accroît, on voit que la demande en production, la demande prévue, la production prévue par contre, et la production prévue est en bleu, les besoins en production sont en orange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que la population sénégalaise va s'accroître, la demande sera supérieure à l'offre jusqu'en 2100. Là, on est en 2030. En bleu, c'est les productions prévues et en orange, c'est les besoins en production. Donc, au fur et à mesure que la population sénégalaise va s'accroître, la demande est supérieure à l'offre. Ce qui pose une problématique d'investir rapidement dans l'agriculture pour pouvoir juguler cet état de fait. Ça, excusez-moi, je n'ai pas précisé, ça c'est pour les cultures maraîchères, donc en tomates, aubergines, piments. Ça, c'est pour les cultures céréalières. Ça, c'est pour les racines et les tubercules. Ok, donc ça c'est la production, besoin en production sur l'agriculture, je vais passer vite fait, c'est ça. Donc ce que j'ai sur les secteurs sur lesquels j'interviens rapidement, donc quand vous me dites que j'investis dans quel secteur, moi je vais vous dire quelle zone ils vont investir, parce que le Sénégal est découpé en 6 zones écogéographiques. Chaque zone a ses spécificités, en parlant du cadre physique, mais également du cadre climatique. Donc aujourd'hui, si vous voulez investir, je ne sais pas, dans le maraîcher, c'est exactement la zone d'Aignan, à Dakar, où il faut investir. Parce que tout simplement, en matière de sol, c'est une zone qui supporte les cultures maraîchères, le tomate, la carotte et tout ça. Donc aujourd'hui, si vous voulez intervenir, que ce soit dans la transformation d'industrie huilière et tout ça, il faut intervenir dans la zone du bassin aracidier, qui constitue les régions de fatigue de Tourbel, ainsi que Louga. Donc pour aller plus vite, dans la région de Casamance, si vous voulez investir aussi, il faut investir dans la riziculture des bas-fonds. Donc, je vais aller plus vite. Ensuite, je vais expliquer tout ça. La zone du fleuve Sénégal. Donc, dans cette zone-là aussi, où j'ai fait mes études, donc je remercie les Saint-Lucians. C'est une zone où la production rizicole est extrêmement développée, mais également le maraîchage avec le maïs. La zone du Furlo, c'est Dianaba, Matam. Donc c'est le cheptel et surtout l'agriculture qui va dominer. C'est ce que Dianaba vient de nous présenter tout à l'heure sur le département de Linguère. Ensuite, je suis parti plus vite que prévu. Ok, donc la zone de Tambacounda, c'est le coton et l'élevage. Donc en fonction de ces zones-là, donc on fait de l'analyse multicritère. Donc là, j'ai présenté les potentialités des zones, mais chacune de ces zones-là vit aujourd'hui des risques et des défis liés au changement climatique, tels que la sécheresse qui va intervenir. On va parler de ça rapidement. Donc, ça, c'était une cartographie physique des ressources de chaque zone. Mais ça ne suffit pas en tant qu'entrepreneur pour investir dans cette zone-là. Il faut prendre en compte où localisent les marchés et les zones de consommation. Donc, ça aussi, on intervient sur ça. Là, on voit que là, c'est la carte des marchés du Sénégal en 2013. Donc, on sait que 2013, c'est 9 ans, donc peut-être il y a eu des changements. Mais c'est la cartographie qu'a faite l'ANAT, l'Agence de l'aménagement du territoire. Donc on voit qu'une bonne partie des zones de consommation se situe dans le centre-ouest du Sénégal. Donc selon vos besoins en agriculture, il faudrait que vous preniez ça aussi en compte. C'est extrêmement important de localiser où se trouve le marché quand vous voulez investir en tant qu'entrepreneur. Là aussi, c'était les gros marchés par semaine hebdomadaire. Donc on voit également que ces marchés sont localisés dans les mêmes zones, Dakar 16, on peut à Saint-Louis et on peut à Ziguinchor. Donc là, vous voyez, ça c'est la cartographie aussi que l'ANAT a fait sur les ressources qui sont consommées chaque jour sur les plans nationaux. On voit par exemple, là, les cultures tomates par exemple, l'ANAT estime que c'est tout au long de la zone que je viens de présenter tout à l'heure du fleuve Sénégal,
qui va vers Thiès, où on consomme 7 jours presque ces aliments-là. Ça ne signifie pas que dans les autres zones, on ne consomme pas, bien évidemment. Donc, on les consomme tous les jours. Mais il faut prendre en compte, lorsque vous investissez sur un secteur, quel est l'état de la consommation de ce que vous investissez sur la zone. Donc, tout ça aussi, on les prend en compte dans notre analyse en tant que consultant. Donc, évidemment, ça ne suffit pas. Vous prenez en compte les conditions physiques, vous prenez en compte la localisation des marchés. Il faut prendre en compte aussi l'état des routes. Vous êtes investisseur, vous voulez investir à Tambacounda. Si votre marché de consommation est situé à Dakar, il faudrait aussi que vous ayez une idée de l'état des routes qui sont défectueuses ou pas. Donc ça, c'est la cartographie qui est faite par, l'Agéroute, donc qui a fait la cartographie. Donc on prend en compte aussi ces éléments-là. Donc la localisation de la population. Donc la population sénégalaise se localise généralement vers Dakar. Donc je vais aller plus vite. C'est la même chose, j'ai présenté cette carte-là plus vite. Donc chacune de ces secteurs-là dont je viens de présenter, pression foncière, sur les nyaïs, déforestation, dans chacune de ces zones-là, les défis qu'il faut relever. Donc je passe très vite. Dans chacune de ces zones-là, voilà les défis qu'il faut relever, qui sont essentiellement liés au changement climatique, à la dégradation des sols, etc. Donc, les constantes qu'on peut retenir. Donc, en tant que consultant, ce qu'on fait, c'est quoi? On prend en compte les couches qui sont liées aux aspects physiques, climatiques de chaque zone. On superpose ces couches-là avec des couches de consommation, des zones de consommation où on localise. On superpose encore une fois ces couches-là avec la cartographie des routes qui sont défectueuses ou pas, qui sont en bon état ou pas. On termine tout ça avec les marchés. Donc, vous êtes entrepreneur, vous devez prendre en compte tous ces éléments-là. Donc, notre intervention, c'est plus dans l'étude de marché avec une approche technique. Donc, ça, on utilise effectivement les outils de la géographie spatiale. Donc, on appelle ça la géomatique précisément aujourd'hui. Donc, on fait combiner ces liens. Je ne suis pas trop fort en lien. J'avoue qu'il me faut un peu de compétences en programmation, mais essentiellement, on travaille avec R, QGIS et Quantum GIS pour faire toutes ces analyses-là pour vous dire, vous voulez implanter votre unité de production où? Je peux vous dire que, en fonction de tous ces critères-là, voilà la zone où vous devez investir et voilà la zone où vous devez implémenter votre unité de production. C'est donc ce que nous faisons en tant que consultants. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter. Je vous remercie pour votre attention. En tout cas, bravo, Ousmane John. Très important hein, d'avoir la cartographie. Je vais demander à Madame Keïta de venir vous remettre le certificat et demander également à Djaïdja de se présenter. Djaïdja. Bravo en tout cas. En tout cas, le Sénégal a beaucoup de talent et c'est extraordinaire de s'en rendre compte lors de ce genre de ce type d'événement. Donc là, nous allons passer à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle avec Monsieur Ndiaye. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Permettez-moi d'abord de remercier Moussa Baro ainsi qu'à toute son équipe pour cette très belle initiative. On a pu écouter, suivre de très belles présentations et écouter également des discours très inspirants. Et d'ailleurs, l'intervention de Monsieur Simon m'a beaucoup inspiré parce que moi ici, je suis habillé par des artisans locaux, par l'intermédiaire de ma très chère épouse que je remercie de passage. Donc, merci beaucoup pour cette intervention très, très intéressante et inspirante aussi. Donc, on va à présent parler de quatrième révolution industrielle, d'intelligence artificielle, d'algorithmes, du Sénégal, de l'Afrique et de la jeunesse.
Donc ici présent, l'Institut des algorithmes du Sénégal, mais avant tout, je vais me présenter d'abord. Donc moi, je m'appelle Ndiaye Dia. Donc je suis ingénieur de recherche en intelligence artificielle, spécialisé sur le traitement automatique du langage naturel. Donc l'Institut des algorithmes du Sénégal, une ambition principale de rendre l'intelligence artificielle accessible partout en Afrique et particulièrement au Sénégal. Donc c'est quoi exactement? C'est un laboratoire de formation, de recherche-développement spécialisé sur les technologies émergentes. Et quand on parle de technologies émergentes, c'est tout ce qui est algorithme, intelligence artificielle, tout ce qui conduit la quatrième révolution industrielle, avec trois grands axes d'intervention. Donc le premier axe, c'est la formation-capacitation. Accompagner les jeunes du continent africain et sénégalais à monter en compétence sur tout ce qui est algorithme, analyse de la donnée, big data, intelligence artificielle. Et deuxième axe, c'est le développement d'outils basés sur l'intelligence artificielle avec différents secteurs, agriculture, élevage, sécurité, on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, l'autre axe, c'est la création d'un écosystème d'interconnectivité, vraiment pour connecter les talents, les acteurs qui portent l'innovation technologique, la recherche scientifique sur le continent africain. Ça également, on va y revenir tout à l'heure avec un événement qu'on avait organisé en décembre à Dakar, en décembre 2022. Donc, naturellement, on se pose une première question très pertinente. Pourquoi IAS? Pourquoi on a décidé de fonder un tel institut, dénommé Institut des algorithmes du Sénégal? Donc, il y a différents constats. D'abord, l'évolution fulgurante de la technologie. Donc, la technologie, elle évolue tous les jours. Les chercheurs, ils cherchent toujours. Ils trouvent des solutions. Ils les implémentent à travers l'appui des ingénieurs. Donc, il y a ce premier constat. Ensuite, il y a la transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, que ce soit africaines, européennes ou américaines, rentre dans un processus de digitalisation très rapide. Ensuite, le troisième constat, c'est le besoin de former de nouveaux profils qualifiés pour exploiter les données, valoriser les données qui sont produites par les entreprises. Et derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Donc, c'est la révolution industrielle conduite par la donnée, conduite par l'intelligence artificielle. Et donc, il faudrait que l'Afrique prenne la course dans cette quatrième révolution industrielle. Création d'une grande quantité de données. Donc les données, elles arrivent avec les activités. Aujourd'hui, je suis en train de parler, de faire une présentation devant vous. Donc je produis de la donnée vocale, qui peut être utilisée par la suite, transcrite en texte, analysée, pour avoir un résumé de ma présentation, en quelque sorte. Et dernier point, la nécessité d'un renforcement de capacités pour les jeunes du continent africain en général, et sénégalais en particulier. Et ce point-là, on va y revenir également tout à l'heure. Donc toujours pourquoi l'IAS, hein, quand on parle d'IA, d'analyse de la donnée, il faut bien définir les use cases. Donc ce qu'on appelle les use cases, ce sont les champs d'application. Donc ici, un premier champ d'application, c'est la santé. Détection du cancer 4 ans avant qu'il ne soit visible. Si on prend le Sénégal par exemple, il y a une principale problématique de tabou autour de ces maladies-là. Voilà. Lorsque les gens sont malades, ils n'ont pas le courage d'aller à l'hôpital, de se faire dépister et tout. Donc, utiliser l'IA à travers des applications implémentées dans des téléphones et smartphones pourrait aider les populations ou bien même les médecins, les professionnels de santé à détecter ce genre de maladies-là très tôt. Ensuite, les autres champs d'application, on a le secteur du transport. On travaille actuellement sur un projet de détection de la somnolence au volant. Ça également, on pourra y revenir tout à l'heure. La construction, bâtiment, BTP, la défense sécurité. Ensuite, il y a la détection des fraudes bancaires. Donc ça intéresse beaucoup les institutions financières. Et dans le domaine de l'éducation également, on utilise l'intelligence artificielle pour un peu personnaliser les processus d'apprentissage. Donc on est dans une classe composée de N personnes par exemple. Donc je parle un peu mathématique en utilisant N, une variable qu'on peut changer comme on veut. Donc N personnes, ces N personnes-là sont distribuées selon leur niveau, leur capacité d'apprentissage. Donc utilisant l'intelligence artificielle, le professeur serait capable de créer des sous-groupes dans cette classe, pour dire que ce groupe-là, donc, il a un tel niveau d'apprentissage. Du coup, il faudrait adapter les cours qu'on leur donne en fonction de leur niveau d'apprentissage. Un deuxième groupe également à côté qui aurait un niveau N2, etc., etc. Donc, l'IA également utilisé dans ce champ d'application. Du coup, fort de tous ces constats-là, on s'est réunis en tant que jeunes sénégalais pour fonder l'Institut des algorithmes du Sénégal. Et on va revenir tout à l'heure sur l'équipe fondatrice de cet institut. Donc, en décembre 2020, on a fondé l'Institut. Donc, ici, on a un parcours assez modeste, mais très ambitieux, et on le verra par la suite. Donc, notre parcours, décembre 2020, en avril 2021, on a organisé des sessions ouvertes de webinaires sur les réseaux sociaux, sur Internet, également sur notre plateforme, www.iais.sn. Sessions pendant lesquelles on accompagne les jeunes à monter en compétence sur tout ce qui est algorithme, IA,
analyse de données, big data. Donc vraiment essayer de donner aux jeunes tous les bagages nécessaires pour comprendre, mais également agir dans ce monde nouveau, un monde dans lequel règne, ou bien va régner très bientôt, la 4e révolution industrielle, qui sera conduite bien sûr par les données. Et à partir de mai 2021, on a eu un renforcement des sessions d'apprentissage avec une insertion de tutoriels, toujours gratuits, sur les langages de programmation les plus utilisés pour faire de l'intelligence artificielle. Et à partir de janvier 2022, nous avons lancé des sessions de formation sur 3 mois. Donc chaque session dure 3 mois avec à la fin une certification. Donc dans ce cadre, on est en partenariat avec un institut qui est au Sénégal qui s'appelle Force N, donc conduit par l'Université virtuelle du Sénégal. Donc ça, c'est un peu notre parcours. Ensuite, sur le volet formation, ici, on a 2 grands volets principaux sur ce son. Donc d'abord, la programmation informatique avec les 3 langages là, qui sont très utilisés pour faire de l'IA, pour faire du big data. Ensuite, il y a le volet IA qui arrive avec du big data, du machine learning, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, le deep learning, l'apprentissage profond, Yael a utilisé tout à l'heure le mot, qui est très utilisé aujourd'hui pour faire de la détection d'images. On va y revenir tout à l'heure avec le projet sur lequel on travaille actuellement au sein de l'IAS. Et il y a la sécurité informatique également qui est dans ce sens-là. Donc toutes ces compétences-là, on essaie d'accompagner les jeunes à les avoir lors de nos sessions de formation. Là, ce sont des webinaires qu'on a organisés récemment. Donc, il y a ChatGPT que vous connaissez normalement. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà utilisé ou pas. Mais ChatGPT, c'est un outil basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle, mais qui est très puissant, très intelligent, qui arrive à croiser beaucoup, beaucoup, énormément de données. Donc, je ne sais pas qu'il a puisé sur Internet ou voilà, quelque part ailleurs, pour répondre d'une manière très accurate, comme on le dit, dans le jargon de l'IA, aux questions qui lui sont adressées. Donc, questions de santé, questions d'éducation, agriculture, etc. Ensuite, on a également organisé des webinaires sur la sécurité informatique. Là également, c'est très important. Il faudrait que les ingénieurs, les techniciens et même les gens, les personnes en général, soient bien sensibilisés dans ce volet-là. Quand on rentre sur Facebook, quels sont les types de données qu'on laisse dedans? Comment ces données-là sont utilisées pour nous cibler par la suite à travers des campagnes publicitaires, etc. Donc, ce volet-là également, il est très important. On essaie de le porter dans l'IAS. Et il y a l'ordinateur quantique également, donc un sujet de discussion aujourd'hui un peu partout dans le monde. Je pense que l'Afrique n'a pas encore commencé à aborder ce sujet-là, mais c'est un sujet également très intéressant, très pertinent, et qui va venir renforcer la capacité de calcul des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc récemment, on a organisé ce webinaire, et là, c'est important, et j'aimerais prendre un peu le temps de vous expliquer ceci. Donc, ce sont des profils qui sont formés un peu partout dans le monde et particulièrement ici en France. Donc il y en a ici, Mardi, qui est de nationalité marocaine, donc, qui a fait la même école que nous également. Donc il y a Amsetanyan qui a fait l'ENSAE Dakar. Mais à part lui, tous les autres profils sont dans la diaspora sénégalaise. Donc ce sont des jeunes de la diaspora sénégalaise qui se sont réunis partant des constats que j'ai donnés tout à l'heure, tout au début, pour fonder cet institut, afin de participer à la transformation technologique du continent africain en général et du Sénégal en particulier. Donc, comme vous le voyez ici, on a les profils, des profils qui tournent autour de la donnée, autour de la statistique, autour de l'intelligence artificielle. Et surtout, ce sont des gens qui, en grande partie, ont bénéficié de la bourse d'excellence du gouvernement sénégalais. Donc, je remercie M. Amin Barhoum ici, qui est le directeur de la SGE, ici présent. Donc, ils ont bénéficié de la bourse d'excellence du gouvernement sénégalais et donc, naturellement, il faut participer au give back. Il faut faire du give back. Même s'ils sont présents actuellement à l'étranger, ils essaient vraiment de participer au transfert de compétences du nord vers le sud. Quand je parle du nord, c'est vraiment l'Europe, l'Occident, parce que voilà, il y a de très grandes institutions, des écoles, des laboratoires de recherche qui sont très en avance sur tout ce qui est IA, algorithmes. Donc, ils essaient de prendre les compétences qui sont là-bas pour les transférer aux jeunes qui sont présents actuellement sur le continent africain et au Sénégal en particulier. Donc, ça, c'est un peu les profils des personnes qui ont fondé l'IAS et qui sont actuellement en train de donner les formations dedans. Donc, là, c'est le deuxième volet qui est écosystème d'interconnectivité autour de l'intelligence artificielle. On a eu l'occasion et la très grande chance d'organiser le premier salon de l'intelligence artificielle et des algorithmes au Sénégal en décembre 2022. Et là, c'était un programme très ambitieux parce qu'en 2 journées, on a réussi
à réunir l'écosystème des acteurs qui portent l'innovation technologique et la recherche scientifique, que ce soit les institutions gouvernementales à travers le ministère de l'économie numérique, que ce soit les universités, et même voilà, on avait eu une vision assez internationale, hein. Donc là on a eu des professeurs qui nous venaient du Maroc, il y en avait certains qui nous venaient de la France ici, qui ont eu à participer à nos différentes conférences. Et ici, je le disais tout à l'heure, la première table ronde avait pour thème gouvernance et éthique de l'intelligence artificielle, état des liens et perspectives. Donc l'IA, elle marche sur des données, et parfois sur des données personnelles. Du coup, il faudrait que les ingénieurs qui développent les modèles d'IA soient bien sensibilisés sur comment utiliser les données personnelles. Sinon, parce qu'un algorithme, ce n'est rien d'autre que quelque chose qu'on demande de faire, d'accomplir une tâche, et il le fait tout simplement. Du coup, l'algorithme va faire tout simplement ce que je vais lui demander. Maintenant, moi, lorsque je ne mets pas l'éthique au devant de la chaîne, lorsque je développe mes algorithmes, là, ça posait vraiment, vraiment problème. Raison pour laquelle, lors de ce salon-là, on a mis en avant cette première thématique sur l'éthique de l'intelligence artificielle et l'usage des données. Ensuite, on avait une autre table ronde sur la recherche scientifique en IA sur le continent africain. Voilà, on avait une vision vraiment africaine. Là également, on voulait faire l'état des lieux et perspectives. On avait des professeurs d'université, on avait des chercheuses, etc., etc. Donc ça, c'est sur le volet écosystème avec le SALTIS, c'est-à-dire le Salon des algorithmes, des sciences, technologies et de l'innovation du Sénégal. Donc il y avait l'édition 2022, et là, on s'apprête à organiser l'édition 2023, en décembre 2023. Donc sur le salon également, on a inclus un autre volet, qui pourrait d'ailleurs intéresser le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Donc on a eu également cette touche très pragmatique sur le salon pour inciter les jeunes à développer des outils basés sur l'intelligence artificielle afin de répondre à des problématiques locales, à des problématiques de société. Donc là, on avait trois projets principaux. Le premier, il permettait de faire une anticipation sur les inondations. Donc créer un système connecté qui peut prédire les inondations sur certaines zones. Prenons par exemple la zone de Sangalkam. Voilà, je pense que Sangalkam, c'est une zone qui a des inondations le plus souvent. Donc prenons cette zone-là par exemple. Si l'outil qu'ils ont développé est déployé là-bas, donc l'outil sera capable de prédire dans les 3 heures qui viennent, il y aura des inondations et de ce fait, générer automatiquement des alertes aussi bien vers les sapeurs-pompiers qui se chargeront de venir directement sur les lieux et en temps optimal pour éviter les catastrophes, mais également vers les populations, pour leur dire, mais dans les 3 heures qui viennent, il y a de fortes chances qu'il y ait des inondations, du coup, prenez les précautions nécessaires pour éviter les catastrophes. Donc ça, c'était le PS Challenge. Donc PS, c'est une problématique, un algorithme, une solution, parce qu'on est convaincu qu'on peut tout résoudre avec les algorithmes. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un, le parrain, Madame Kéré, qui a intervenu lors du salon, qui avait un sujet très pertinent, un algorithme pour l'émergence. Imaginez, un algorithme pour l'émergence. On peut carrément utiliser les algorithmes pour créer l'émergence. Et je pense que tout est algorithme. Algorithme, c'est quoi? C'est une procédure pour résoudre une problématique tout simplement. Et aujourd'hui, si je vais aller à Dakar, mais je suis en train de réfléchir où passer, est-ce que je dois prendre le chemin C1 ou le chemin C2? Là, je suis en train de faire des algorithmes à l'intérieur de ma tête et finalement, je vais devoir trouver le chemin le plus optimal pour aller à Dakar. Ensuite, très rapidement, je vais avancer. Donc là, ce sont les projets sur lesquels on travaille actuellement à l'intérieur, au sein de l'IAS. Le premier projet, c'est un traducteur de langue, anglais Wolof. Donc j'ai eu une réelle problématique lorsque j'étais à Dakar en décembre dernier. J'ai fait pas mal d'allers-retours entre là où j'habitais, à Cité Kariof et Pékin. Donc à chaque fois, la voiture passait à la voie des Niaï, à la voie des Niaï. Mais l'algorithme de Google a une réelle problématique pour bien prononcer Niaï. Il dit à chaque fois Niaïs. Niaïs. Et du coup, là, il est vraiment important que les Sénégalais, surtout les jeunes Sénégalais, développent des algorithmes qui apprennent sur la langue Wolof pour bien prononcer ces mots-là. Parce que non seulement ça va nous aider à avoir des solutions qui s'adaptent au contexte local, mais également ça va nous permettre de gagner beaucoup plus de temps. Parce que être devant Google Maps pour réfléchir sur mais que signifie Niaïs, je ne sais pas. Là, si c'était adapté à la langue Wolof, ben ça irait beaucoup plus rapidement, c'est sûr. Donc là, c'est un traducteur qu'on développe aujourd'hui dans ce contexte-là, anglais Wolof. Donc là, le premier, c'est Show me the road to take the ship. One man yonwi ngir djel galgi. Donc normalement, on comprend bien ici la langue Wolof.
Donc, je prends le dernier anglais, Show the Selected Images. Donc là, Wonel, Natal, Lingadiel, Natal en Wolof, c'est tout simplement image. Donc, c'est un outil qui est en cours de développement et dont on va déployer très prochainement et qui pourrait intéresser, bien sûr, beaucoup de partenaires au Sénégal. On est aujourd'hui en discussion avec Sénégal Numérique SA, qui a son sous-département Sénégal Service, qui voudrait implémenter un tel outil afin d'aider les usagers à avoir accès plus optimal à ces services. Ensuite, très rapidement, le deuxième outil. Comme je suis un passionné de l'agriculture, parce que je viens d'un village qui s'appelle Keur Matar Daroya, qui est à 15 km de la région de Thiès, village que j'adore, vraiment. Parce que mes ancêtres, ils sont nés. Moi, j'y suis né. Mes parents, ici, non, ils sont nés. Je suis en France aujourd'hui, mais à chaque fois que je retourne au Sénégal, je quitte directement l'AIPD pour aller à Ndia avant de revenir à Dakar. Donc ici, je suis dans mes champs, et je suis devant un manguier que j'ai planté il y a 2 ans, et je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire avec les algorithmes l'IA pour vraiment anticiper les maladies qui pourraient venir, hein, qui pourraient arriver à ces manguiers-là. Et donc, fort de ce constat-là, j'ai lancé le développement de cette application, de cette solution technologique qui va se baser sur des images, hein, qu'on va prendre directement à travers les mangues pour détecter les maladies, les pathologies qui sont au niveau des manguiers et de se faire générer directement non seulement une alerte vers le cultivateur, mais également faire une proposition de médicaments qu'on pourrait utiliser pour sauver ce manguier. Mais également, autre chose, optimiser tout ce qui est arrosage, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore de puits dans mon champ ni de forage. Donc, c'est mon frère qui se charge de ça, de prendre les bidons depuis le village pour les amener au champ. Du coup, optimiser l'arrosage pourrait beaucoup aider à permettre ces manguiers-là de grandir plus rapidement. Donc, ça, ce sont 2 projets. L'autre projet, c'est un tracteur de somnolence qu'on développe en contrepartie, en collaboration avec une start-up qui s'appelle Photon, basée au Sénégal. Donc, l'outil, il se base sur l'intelligence artificielle pour lutter contre les accidents. Donc, il y a une caméra qui est placée devant la voiture et lorsque le chauffeur rentre en état de somnolence, la caméra détecte son visage et génère automatiquement une alerte et cette dernière-là va se charger de réveiller le chauffeur. C'est un projet également qui est en cours, donc qui est en phase de développement très avancé et je pense qu'il rentre dans un cadre très pertinent parce que récemment on a eu un accident, voilà, très dommage au Sénégal. Du coup, je pense que l'État, le gouvernement, les autorités devraient accompagner de tels projets pour permettre aux jeunes non seulement de proposer des choses pertinentes basées sur les nouvelles technologies émergentes, mais également permettre à l'État sénégalais d'accomplir sa mission très noble qui est de faire du Sénégal un pays émergent. Je vous remercie. Bizarrement, il n'y a que Dianaba qui avait donné son chiffre de son besoin d'investissement, comme s'ils n'ont pas besoin d'investissement. Ok, donc pour le moment, ils peuvent garder leurs 54 milliards, il n'y a pas de souci. Donc, Emile. Il y a une fierté et un exemple. Il fut un ancien boursier d'excellence qui a fait un parcours honorable et respectable. Un exemple. Parce qu'effectivement, je le vois faire des allers-retours entre la France et le Sénégal. Donc, cela me rassure et m'honore parce que le retour, il est certain. Je ne sais pas si votre style de musique, comme d'ailleurs Abbas, c'est le mbala ou le raï, mais je suis certain que vous êtes sur la bonne voie. Bonne continuation. Donc, c'est extraordinaire. Hein. Simon, ça vient de Dakar aussi. Hein. C'est un costume africain. Merci. Donc, on va demander à Mam Kankou, Kankou Traoré, de venir prochaine. Vous voyez, en fait, personne n'a bougé depuis. C'est, on enchaîne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque passage, on découvre. Et on se dit, waouh, notre pays a quand même un potentiel. Après, bon, les autorités diront, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Il y a beaucoup de choses à faire au Sénégal. On va essayer de les mettre en contact quand même. Parce qu'un retour, ça se prépare quand même. Donc, Mam Kankou Traoré qui est là depuis ce matin.
Bonjour à tous, merci de me recevoir. Je suis très heureuse d'être ici. Alors moi, je suis cofondatrice de la société Batiboom. Donc on existe déjà depuis un petit peu plus d'un an. C'est une société que j'ai cofondée avec une de mes grandes sœurs en 2021, suite au Covid. Justement, parce qu'on cherchait du sens dans notre vie. Personnellement, j'étais dans le milieu du marketing, dans les médias. Et un jour, pendant la première session du Covid, on va dire, j'ai réalisé que je travaillais pour quelqu'un et que ma vie n'avait pas vraiment le sens que je voulais lui donner. Et c'est parce que j'ai vu mon mari presque mourir en fait de cette période du Covid que je me suis dit qu'il était temps que je fasse enfin quelque chose pour moi, quelque chose que j'aime. Et en fait, je me suis tournée vers l'immobilier. Alors, c'est vrai que le gap, il est grand. Mais pourquoi ? Parce que pour moi, le secteur de l'immobilier, c'est un secteur qui a énormément de sens. Parce que quand on aide quelqu'un à investir, quand on aide quelqu'un à investir ses économies de toute une vie, quand on aide quelqu'un à concrétiser un rêve, ben, on l'aide à se concrétiser tout simplement. Donc j'avais envie de... On a eu envie de se lancer. Et pourquoi Batiboom ? Parce que le secteur de l'immobilier, le secteur du BTP au Sénégal était en plein boom. Donc je suis fière d'avoir créé la marque Batiboom. Et aujourd'hui, on accompagne des personnes qui vivent un peu partout dans le monde à concrétiser leurs projets immobiliers au Sénégal. On est exclusivement au Sénégal. On vend des appartements, des terrains, des villas sur Dakar et sur la petite côte. Et en fait, l'ambition, au-delà juste de la commercialisation, c'est de pouvoir aider nos compatriotes, parce que je suis sénégalaise, je suis née en France, mais je suis sénégalaise, et ça fait un petit moment que j'essaie d'entreprendre au Sénégal. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à chaque fois que j'entreprends, c'est envers mon pays d'origine, et parce que tout simplement, j'ai envie de voir mon continent, j'ai envie de voir mon pays émerger, j'ai envie que... Et je sais qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. Je sais que aujourd'hui, la destination de rêve, c'est l'Afrique en général, le Sénégal en très bonne place. Et j'avais envie de contribuer à ça. Donc, on n'en est plus au stade de projet, on en est au stade de... On a concrétisé, puisque à partir de lundi, on sera une équipe de 10 personnes. Je suis très fière de ça, d'ailleurs. Et je suis fière, en fait, de pouvoir dire que à mon petit niveau, à notre petit niveau, on essaie de changer les choses, on crée de l'emploi, on forme des jeunes et nous-mêmes, on apprend au fur et à mesure de tout. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un fleuve tranquille. C'est une période d'apprentissage tout au long, qui est très stimulante d'ailleurs. Et j'invite tous ceux qui sont là et qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est pas forcément évident de quitter un CDI, de quitter un poste de salarié, de quitter le confort du salaire. Mais je vous promets que ça en vaut la peine. Même si tous les mois, on ne sait pas combien on va gagner, c'est très enrichissant. Voilà ce que je voulais dire. Donc finalement, je n'ai même pas suivi ma présentation parce que je voulais absolument parler de ce qui m'a motivée à entreprendre. Et voilà, je voulais faire le lien avec le salon. Pourquoi ? D'ailleurs, j'en profite pour remercier Nigomas qui m'a invitée ici et Abbas. Et je voulais faire le lien avec les nouvelles technologies parce que sans ça, je n'aurais pas pu me lancer il y a un an et demi parce que je vis encore en France. Je fais des allers-retours. J'y étais il y a même une semaine. Donc, je dirige mon équipe à distance grâce aux nouvelles technologies. Et ce qui fait que, justement, grâce aux nouvelles technologies, on peut être en contact régulier avec nos prospects parce que nos ventes sont assez longues. Donc, on doit suivre nos clients assez longtemps avant de les transformer. Et tout ça, c'est possible grâce aux nouvelles technologies. Donc voilà, donc, je suis très heureuse de participer à ce salon. Et si je dois juste terminer par quelque chose, c'est que... bon, finalement, je n'ai même pas présenté nos produits, mais bon, si vous voulez, je suis en haut. Il y a des projets qui sont possibles, mais on a besoin de financement. On cherche des investisseurs et je pense que c'est le meilleur moment pour investir dans la pierre. C'est un des placements les plus sûrs.
même si effectivement il faut être au fait de pas mal de choses, mais c'est un des placements les plus sûrs, donc n'hésitez pas à venir me voir ou à nous contacter, et voilà, bah, merci beaucoup, merci pour votre attention. On vous a entendu avec beaucoup d'émotion, et puis une très belle présentation. On va demander à... Oui, non, mais c'est le cœur qui a parlé. On va demander à Sambo Bokoum de présenter le diplôme. Je ne sais même pas si c'est Sambo Bokoum. C'est ça, Sambo Bokoum, ok. Et donc, lui donner ce diplôme d'honneur. Donc le prochain, ça sera Kassé Gassama. Est-ce qu'il est présent? Kassé Gassama, en sachant que là, on est vraiment pris par le temps. Hein? Ça sera court. Ah, parfait. Court 20 minutes ou court... Bonjour tout le monde. Je remercie les initiateurs de cet événement. Je m'appelle Kassé Gassama. Je suis le président de cette association qui s'appelle Bassobé Neurodéma. Bassobé, c'est Andiaranké, ça veut dire le père sérieux. Bassobé, il fut un arboriculteur à Missira, c'est à 33 km de Tamba, dans la commune de Missira avec 87 villages. Mon intervention, c'est la continuité de l'intervention de M. Cicero Bala. C'est la même contrée. Cette association a vu le jour le 13 avril 2013. C'est suite à ça, Bala a créé son entreprise. Donc cette association, c'est la de la diaspora. Ma modeste personne est le président de cette association de la diaspora de la commune de Missira avec ses 87 villages dans les quatre coins du monde. L'Amérique du Nord, l'Europe, notamment en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Voilà, la communauté est basée dans ces pays en Europe, le Canada et les États-Unis. Donc l'association a été créée pourquoi? C'est pour préparer le retour. Je reviens, ça va être une redondance. Pour moi, le mot émergence qu'on dit au Sénégal, le Sénégal ne peut pas émerger alors qu'il y a d'autres personnes qui ont faim. Il y a beaucoup de personnes qui ont faim au Sénégal. Tant qu'on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire, on ne peut pas émerger. Donc, ce qui peut provoquer ça, donc nous, on dit qu'il faut créer cette association pour préparer le retour des jeunes retraités qui vont aller travailler la terre. Bon, nous, quand on part en vacances, l'association a imposé à chaque membre, aujourd'hui, nous sommes 98 adhérents actifs qui sont obligés de créer 150 mètres carrés de jardin en pratiquant le maraîchage, l'arboriculture. En gros, je peux dire la polyculture. Donc ces 96 personnes, quand ils vont créer ces jardins, ils sont tenus de créer de l'emploi. Moi, je ne peux pas être en France et travailler dans mon verger. Donc ça crée de l'emploi. Et qui dit création de l'emploi, ça fait partie des piliers du développement soutenable, qui est d'abord l'environnement. L'association se bat pour protéger l'environnement. L'association se bat pour le social, pour éviter l'immigration clandestine. Notre village, il y a des étudiants qui ont arrêté leurs études. Moi, ça me fait mal au cœur. Ils arrêtent en licence, en master, ils prennent la Méditerranée. Ils viennent ici, ils reprennent tout à zéro. Et pour éviter ça, ben nous, on s'est dit, on va préparer le retour de nos aînés. Quand ils vont prendre la retraite, ils vont travailler la terre, ils vont employer des gens. Nous, les actifs ici, nous travaillons. L'association a créé de l'emploi pour les arboriculteurs. Le phare que vous voyez là, vous pouvez retourner en arrière, s'il vous plaît.
au début où il y avait... voilà. Ça, c'est la vallée fossile. C'est la vallée fossile qui fait 7 km. Donc aujourd'hui, l'association a ce projet et ça jouxte le verger, le jardin de Monsieur Bala Sissoko. Voilà, aujourd'hui, là, on forage. Mais aujourd'hui, notre association souhaite revitaliser. Ça fait partie de la politique de Monsieur Macky Sall, la revitalisation des vallées fossiles. Donc, j'ai rendez-vous avec Monsieur Soir et Monsieur le directeur général de PRODAC. Dis-moi soirée. Voilà, nous voulons que l'État nous aide pour que cette vallée fossile soit activée pour que nous puissions développer notre activité. Bon, nous ne sommes pas là pour faire des critiques, mais je voulais juste faire une remarque par la cartographie de M. John. Je suis géographe de formation. Et si cette carte, ils ont marqué à Tambacounda pour aller investir là-bas, c'est le coton. C'est l'exploitation forestière et quoi d'autre. Ça, je ne partage pas ça. La personne qui a fait cette carte, je pense que ce n'est pas aujourd'hui. Je peux dire que la région de Tambacounda aujourd'hui est le grenier du Sénégal. Le consul l'a soulevé ici tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. C'est juste pour vous présenter l'association, le but. Et pourquoi Bala Sissoko est arrivé là aujourd'hui. C'est grâce à Allah et grâce à cette association. Et Bala, je le félicite très bien. Bala n'a pas été à l'école. Bala, aujourd'hui, il a des salariés qui sont ingénieurs. Il a même des Burkinabés qui sont chez nous, qui travaillent pour lui. Bala a des... Il a plus de 5-10 personnes qui détiennent le Master 2. Des ingénieurs. Et Bala est au niveau CM2. Voilà. Voilà, pour ma part, c'est une fierté de remercier Bala parce que je suis ma modeste personne et l'initiateur de cette association. Quand j'ai fait appel à Bala, il est venu, il m'a écouté, il a investi, il m'a trouvé dans l'association. Aujourd'hui, moi, j'emploie trois salariés et Bala, il en a 15. Donc, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté. Donc, je lance un appel à toute la diaspora de retourner à la terre. Comme disait l'autre, la terre ne ment jamais. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'aime bien son côté. Je ne vais pas faire de critique, mais il l'a fait quand même. Et puis, PRODAC, ce n'est pas trop le moment de prononcer ce mot ici. Bon, c'était juste une blague. Non, mais je sais pourquoi je l'ai dit. Le message est passé. Donc, notre prochain, c'est bientôt fini, hein, c'est son diplôme. Hein? Non, non. Donc, nous avons monsieur. On va vous envoyer votre diplôme, il n'y a pas de souci. Le défilé, il faut voir avec. Il y a trois personnes qui doivent passer. Monsieur Abdul Karim Sahou. Il n'est pas au courant, mais tu as un diplôme. Ah. Il n'est pas au courant, mais tu as un diplôme. Ah, ça. Donc, on m'a demandé de te remettre. Voilà. Vraiment, je suis honoré. Par Simon en plus. Merci beaucoup. Donc vous avez vu, on a mis un peu la pression pour le défilé. Effectivement, il y a le défilé qui doit venir juste après. Vive le défilé. On a encore trois personnes. Donc monsieur Abdul Karim Sarko avec ses Dado Agro. Allons-y. Assalamu alaikum. Nengen def. Asoninke amoro. Ampal mbadon. Voilà. Nengen, ça va, Asseli. Maudemi. Je me présente Abdul Karim Sarron, d'origine Sarakhoulé. Je viens de créer ma marque alimentaire qui s'appelle Dado Agro, saveur d'Afrique. Je demande Monsieur Nigas de l'afficher, s'il vous plaît. Le logo de la marque.
Bon, en attendant, je vais continuer. Dado Agro est une marque agroalimentaire qui a été créée pendant le Covid. Bon, le Covid, moi de base, je suis entrepreneur dans les textiles prêt-à-porter que je vis en Chine. Je vends des marchandises provenant de Chine et de la Turquie. Bon, pendant le Covid, nous étions fermés pendant plus d'un an. On n'avait pas d'entrée, rien du tout. Bon, en étant entrepreneur, nous étions pas habitués à confronter ce genre de situation. Et du coup, j'ai réfléchi. J'ai vu que là, la nourriture étant... tout le monde était enfermé, sauf la nourriture. Ben, les gens avaient besoin de manger. Bon, c'est, pour moi, je pensais que c'est le seul domaine qui ne connaît pas la crise et qui ne connaîtra jamais la crise. Une fois que tout le monde arrive à avoir son autosuffisance alimentaire. Je préfère les logos où il y a la dame avec le soleil. J'ai des photos des produits, mais pas les logos. Non, si il y est, vous voyez. Là, je vous ai envoyé 2 à 3 mails. J'ai 2 mails. Ouais, bon, c'est pas grave, vous pouvez la vidéo. Mettre la vidéo, ouais. On va laisser la vidéo tourner. Comme vous pouvez le constater, ça c'est le nouveau emballage que j'ai commandé en Chine, plus de 20 000 packaging. Avant, j'achetais ici des emballages pour faire mes packaging à Kedipak ou ailleurs. Et ça, c'est les logos. Avec le temps, je me suis dit pourquoi pas personnaliser des logos. Mais en attendant de personnaliser des logos, j'ai besoin de savoir les dimensions. Et du coup, j'ai commandé plus de 20 000 logos sous place de aluminium. Avec plusieurs dimensions, et que je me suis rendu au Sénégal il y a 3 semaines. Bon, j'ai fait ce packaging pour montrer aux gens comment faire le packaging, quelles dimensions, parce que je fournis également ici à Paris 18e pas mal de magasins, mais pour l'instant j'ai mis un stand-by pour revaloriser mon projet. Bon, pourquoi Dado Agro? Dado Agro, c'est que les Africains ici à 18e, je constate que nous sommes parmi les premiers consommateurs de France et du monde d'ailleurs. Mais c'est rare de voir des Africains de produire. Et quand il s'agit de danser, tam-tam, faire la fête, nous sommes le numéro un. Mais quand il s'agit d'innover, on laisse les autres, les Chinois, les Pakistanais, les Pandjabis, les Indiens, les Sri Lankais, qui ne parlent même pas la langue, qui nous vendent nos produits avec la méprise. Et ceci est inacceptable. Donc il est temps pour nous de produire. Voilà. Comme Thomas Sankara l'a dit, produisons africains et consommons africains. Moi, je suis en Dongodara. Je suis en train de préparer mon retour au Sénégal. Et plus tard, on conseille tout le monde, le petit déjeuner, de prendre ce qu'on appelle tiéré. Bon, là, ça, c'est du fondé. Fondé, on n'a pas besoin d'avoir les Nutella tous les matins. Mais avec un bon fondé, on a de quoi tenir pour toute la journée. Donc, en gros, j'ai commencé à transporter ces produits par voie maritime, mais je n'ai pas assez de moyens. Et à l'heure que je vous parle, j'étais au Sénégal, j'ai commandé plus de 2 tonnes de produits pour préparer mon ramadan. Parce que le ramadan, tout le monde consomme quoi? Des tchakiri. Voilà, il y a des tchakiri, il y a des haro, il y a des bissab qui est là. Voilà, avec plusieurs grammages, parce que je fournis en gros et au détail pour les familles. Donc du coup, je tiens compte à plusieurs dimensions afin de satisfaire ma clientèle. Ça, c'est les feuilles d'haricots. Pour les Alpoulards, c'est qu'il y a hako, tchiri hako. Bon, donc, et pourquoi voilà, la tchiri hako, exactement. Nous, à Soninke, on dit photo dere. Bon, en Wolof, on dit tchirimboum. Au lieu d'aller acheter les surgelés, on a tous nos produits qui peuvent tenir pendant plus de 10 ans sans pourrir. Donc du coup, j'ai ciblé plutôt des produits secs que des produits frais. Et quand je me suis rendu au Sénégal il y a 2 mois et demi, j'ai tourné dans tout Sénégal. Il y en a qui m'ont dit, ouais, il est parti jeter son argent, il balade. J'ai dit non, pour gagner, il faut perdre. Pour gagner, il faut perdre son énergie, il faut visiter. Dieu même nous incite dans le Coran en disant, parcourez la terre. Parce que voyage est une science. Ça nous ouvre l'esprit. Moi, de base, je suis mauritanien, mais j'ai grandi au Sénégal, j'ai étudié au Sénégal et je ne vois pas vivre ailleurs que Sénégal.
Je suis en train de construire au Sénégal un magasin de 150 mètres carrés. Un magasin de 150 mètres carrés que je vais faire le rez-de-chaussée, un magasin panafricain. Uniquement panafricain. Parce que j'ai pas mal d'amis qui sont commerçants au niveau du Sénégal. Ils préfèrent ceux qui viennent de la France que des jus de fruits. Et maintenant, je peux produire les produits que je vends, je peux les transformer en jus locaux et faire découvrir, car le respect s'impose. Il est temps pour l'Afrique de s'imposer, car nous sommes les berceaux de l'humanité. Comment pouvons-nous être les derniers de l'humanité aujourd'hui, alors que nous avons tout? Le respect s'impose. Hein? Bravo. On va demander, on va accélérer, on va demander à Kalouz de venir. Il y a Kalouz qui va venir, oui, venez. Et rapidement, avant le défilé, il y a deux autres personnes. Donc, il y a Fayoto qu'on va demander et on va clôturer avec M. Oumar Kall. Donc, est-ce que M. Ley est là? M. Ley est là? Khadim Ley. Ok, je vais essayer de faire vite. Nangadef, Otep, il y a moins de retours là, je crois. En tout cas, donc, Otep, ça veut juste dire la paix, la sérénité, la tranquillité éternelle. Donc, se positionner, c'est comme salam, c'est comme shalom. Donc, voilà, c'est la paix. En tout cas, bref. Donc, je vais faire vite. Voilà, j'ai intitulé ma présentation « Digitalisation kémite panafricaine ». Parce que je veux vraiment assumer cette posture-là, parce que tout a déjà été dit. Je vous propose de faire un tonnerre d'applaudissements pour toutes les initiatives qui sont passées juste avant que je passe. Merci. Vraiment, c'est très, très encourageant. Pourquoi je tenais à le faire? Parce que, alors, je suis pas sénégalais, même si j'ai dit Nangadef tout à l'heure. Mon Wolof n'est pas encore au niveau, ok? Parce que je trouve que, vraiment, je dis encore merci à Sen Investissement d'avoir lancé cette initiative et remercier mon frère Negamas de m'avoir invité. Parce que je trouve que c'est une révolution qu'on est en train d'accomplir, que cet événement est en train d'accomplir pour l'Afrique. J'aimerais bien que tous les autres pays fassent la même chose. Parce que ça, vraiment, vous l'avez déjà compris, mais je vais le répéter. D'accord ? La bataille économique, aujourd'hui, elle est très, très, très influencée par la digitalisation. Ça, c'est... Et encore, on n'est qu'au Web 2. Hein. Aujourd'hui, on est au Web 2. Il y a le Web 3 qui arrive. Donc ça va être terrible. Si nous, on est en retard vis-à-vis de ces domaines-là, eh ben le sous-développement de l'Afrique va continuer, va même s'accélérer. Donc, c'est pour ça que cet événement-là est un événement marquant. Ça va marquer, pour moi, ça va marquer l'avenir. Vraiment, si on suit toutes les doléances qui sont nées de cet événement, de toutes les initiatives magnifiques qui ont été présentées et qui méritent d'être soutenues, vraiment jusqu'au bout. Bref, alors, donc, digitalisation, en fait, je passe rapidement parce que, revenons en arrière, voilà. Donc, la signification de mon nom, Kalouz, en fait, c'est mon nom de militant, Kalouz. C'est un médunéter, un hiéroglyphique, ok? Le K, K-A, c'est le K, c'est le symbole que j'ai mis à gauche, ça veut dire l'énergie vitale, en fait, d'accord? Parce qu'il faut savoir que, déjà, ça c'est pas un débat, hein, depuis Diop au Benga, c'est l'Égypte antique, c'est l'Afrique, hein, c'est l'Afrique noire. Nous on débat plus, voilà, il y a des autres qui sont pas d'accord, ça c'est leur problème, d'accord? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais l'Afrique est aussi le berceau de la civilisation. Ça, il faut le préciser. D'accord ? Si les autres se sont développés, c'est parce que, on va dire, les Grecs, c'était les élèves des Noirs africains, en fait. Donc, le peu de connaissances qu'ils ont héritées a suffi à construire tout ce qu'on voit aujourd'hui en Occident. Mais ça vient de chez nous, en vérité.
Bon, bref, c'est pas le débat, hein. c'est pas le sujet. J'aurai peut-être l'occasion de faire d'autres conférences là-dessus. Alors, voilà, donc Kalos, c'est l'énergie vitale, parce que la civilisation égyptienne, elle concevait l'être humain selon 9 critères. Il y a 9 entités. Aujourd'hui, on n'a que 3 entités, c'est le corps, l'âme et l'esprit. D'accord ? Que vous soyez musulman, chrétien, hein, c'est 3 entités, corps, âme et esprit. Et encore, bon, le corps, tout le monde sait ce que c'est, mais quand on commence à arriver à l'âme, là, c'est la philosophie, là, ça commence à chauffer quand même. Esprit, c'est encore pire. Là, c'est ouh, voilà, philosophie, religion, etc. C'est très complexe à comprendre. La tête commence à chauffer, la fumée commence à sortir de la tête. Ok ? Mais les Égyptiens, ils avaient 9 entités. C'est, voilà, c'est dire à quel niveau ils étaient très très hauts. On est vraiment tombé bas avec la colonisation. Donc, bref, une de ces entités, c'était l'énergie vitale, donc le Ka. Et l'Oz. L'Oz, c'est en fait c'est la ville où je suis né, au Gabon. Je viens du Gabon. Voilà. Donc Kalos, c'est l'énergie vitale de la ville de Lozo. C'est là où je suis né. Et si j'ai doublé les lettres, le K-A-A et Z-Z, c'est parce que en fait je me réclame de la culture hip-hop. Et dans la culture hip-hop, il y a 9 disciplines. Une des disciplines, c'est le tag, en fait, le graphe. Ok, bon. Voilà, et dans cette tradition, on avait souvent l'habitude de doubler les lettres pour chercher une sorte de symétrie, en fait. Vous voyez, Sola, il va mettre 2A, Jazmataz, etc., etc. C'est pour chercher une certaine symétrie. Donc, c'est la tradition du tag. Donc, c'est pour ça que j'ai doublé les A et les Z dans mon nom, en fait. C'est pour chercher une certaine symétrie. Donc, Kalos, voilà. Et professionnellement, je suis webmaster, c'est-à-dire je crée des sites web et community manager. Community manager, c'est le professionnel des réseaux sociaux, en fait. D'accord ? Et donc, j'ai créé ma société que j'ai appelée Medutit. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Parce que, justement, je me suis dit, il faut que j'aide mes clients, en fait. Mais bon, bref, je donne la priorité aux entreprises financières qui sont dans l'esprit panafricain. C'est peut-être un peu de la discrimination, mais c'est de la discrimination positive. Parce que je me dis, si on ne sait pas qui on est, on continuera toujours à aller là où le colon, enfin bref, celui qui nous domine, veut nous amener, en fait. Et ce n'est pas pertinent du tout. Je vois souvent certains entrepreneurs qui ont un discours du style, mais non, mais ça c'est trop dans le passé, quoi. Mais non, les gens sont trop dans le passé, aujourd'hui il faut se faire la thune, etc. Il faut faire de l'argent, etc. Ce discours-là, cher Anta Diop, d'accord, qui est mon leader vraiment, et je suis fier de parler au peuple sénégalais parce que vous êtes le peuple de mon papa, cher Anta Diop, mon ancêtre méritant. Eh bien, merci. Eh bien, cher Anta Diop, dans son tout premier livre en 1954, Nation et Agriculture, il avait déjà réglé cette question-là, d'accord, dans la préface. Les gens qui raisonnent en mode « oui, non, mais en fait, c'est trop dans le passé, il faut faire là ». Ils avaient réglé leur compte, en fait. D'accord ? Donc, ça, c'est des travers qui ralentissent, entre guillemets, notre développement. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a des millionnaires en Afrique. Il y a des gens qui sont millionnaires en Afrique. Il y a même des milliardaires. Bon, alors, ils ont apporté quoi à l'Afrique ? À part financer les partis qui dictatures en Afrique, etc., les ministres, voilà, ils font quoi de cet argent? À part construire leur petit château, payer leurs 50 maîtresses, leur château pour leurs 50 maîtresses dans chaque ville du pays ou en diaspora, ça ne nous profite pas. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas la conscience historique africaine. Ils ne sont pas conscients. Donc ils font de leur argent n'importe quoi qui ne bénéficie pas à l'Afrique. D'où l'importance vraiment de la conscience africaine. Moi, je préfère privilégier les investisseurs, les gens dans l'économie qui ont une conscience, qui savent où va aller leur argent, qui savent comment ils vont investir, que des gens qui courent juste après l'argent. Il faut se faire la thune. Ouais, c'est comme ça. En fait, des capitalistes à la peau noire. J'en ai fini. Des capitalistes à la peau noire. C'est pas ça qui est intéressant. Donc, en fait, juste, est-ce que tu peux aller. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est bon, ça c'est défini. Parce que là, il me met la pression. Bon, voilà, en fait,
j'ai eu le concept Médoutite, en fait, parce que j'ai eu une réflexion en me disant, mais en fait, aujourd'hui, le texte, les gens ne lisent plus. D'accord ? C'est plus l'image qui parle. Les gens préfèrent regarder une image ou un gif animé ou petite vidéo TikTok. D'accord ? Ça parle plus aux gens, en fait. Ça parle surtout aux jeunes. Et il faut savoir que dans quelques générations, peut-être dans 30 ans, la Terre entière, sur 5 humains, 3 seront africains. Ça veut dire qu'on sera majoritaire, en fait, sur la planète Terre. D'accord ? Et la population la plus jeune, c'est la population africaine. Donc, on sera les jeunes les plus nombreux sur Terre. Donc, si ces jeunes-là, on ne leur parle pas, enfin, on n'envoie pas le message de façon pertinente, parce qu'on néglige les outils de communication qui leur parlent, on fait une erreur. Or, aujourd'hui, c'est l'image qui parle. Donc, l'image qui parle. En médunitaire, en fait, ça veut dire médoutite, ça veut dire les paroles de l'image. Ok ? C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ma société. Juste rapidement, j'en ai fini. Et vous avez ma page Facebook et mon compte YouTube. La suite. Voilà, j'en ai terminé. Pris, hein, juste temps. 2 minutes. 2 secondes. Deux minutes. 2 secondes. Secondes. Non, ok, d'accord. Bon, en tout cas, la suite. Il y a eu plein de révolutions qui ont fait que aujourd'hui, voilà. Donc, le but de ma société, c'est que aujourd'hui, les gens utilisent les réseaux sociaux et pensent connaître. Ouais, non, mais j'utilise TikTok. Ouais, je connais. Qu'est-ce que tu as à m'expliquer? Voilà, machin. Mais en fait, c'est pas ça. Ma stratégie, c'est d'utiliser tous les réseaux sociaux, quel soit votre business. Donc, vous avez votre site internet qui est là et chaque doigt représente un réseau social. On en est panafricain. Tu vois? Lui, je le connais depuis une dizaine d'années. Avec Mas, en fait, on est des panafricains conscients. Donc lui, c'est un frère gabonais. On est pris vraiment par le temps et le défilé doit commencer. Donc on s'excuse déjà pour Monsieur Omar Khan. Allez-y. Bon, merci hein, Abbas de m'avoir laissé la parole. Merci. En fait, moi, je m'appelle Omar Khan. Je suis entrepreneur. J'ai 4 boîtes aujourd'hui. J'ai commencé l'entrepreneuriat après avoir quitté le salariat parce que j'ai considéré que le salariat n'était pas adapté à une personnalité comme moi. Donc j'ai créé Immokit. Immokit qui est une société qui permet aux gens de la diaspora, à la communauté, de devenir plus grands, plus forts. Parce qu'en fait, on parle souvent de dignité. En fait, la dignité, c'est important. En entrepreneur conscient, c'est important. Parce que pourquoi la dignité, c'est important ? Parce que quand on est indigne, on n'est plus humain. En fait, quand on déconsidère la personne, il n'y a plus de dignité. Donc, la dignité, c'est essentiel. Et nous, en France, on est souvent considérés comme des gens, entre guillemets, indignes. Donc, face à cela, je me suis dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui provoque la dignité aujourd'hui en France ? C'est le fait d'avoir du fric. Voilà. Donc, moi, l'idée, pour moi, quand j'ai monté mes 4 boîtes, on a une société de gestion de patrimoine, une société civile immobilière. On a, par exemple, une boîte de courtage en crédit assurance. Quand j'ai créé cela, c'est pour aider la communauté à devenir riche, à pouvoir gérer ses finances, à pouvoir être responsable. Parce qu'aujourd'hui, tout est drivé par l'argent. Même ici, pour louer cette salle, il faudra avoir une assurance, il faut payer, il faut faire plein de choses. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai monté Immokit, gestionnaire de patrimoine, IMO, pourquoi ? Parce que IMO, en fait, aujourd'hui, c'est l'actif le plus important. Aujourd'hui, tout le monde va être propriétaire parce que c'est l'actif le plus important où c'est des foyers. Et surtout, l'immobilier, ça permet quoi ? D'avoir un toit, en fait. Avant même que ce soit un objet spéculatif, comme au Sénégal, où on voit des appartements à Mermoz à 250 millions, il n'y a aucun sens. Parce qu'à la base, l'immobilier, quand on achète un appartement, une maison, c'est pour y loger sa famille, pour y vivre, pour créer une famille. Donc moi, l'idée en fait qu'on a aujourd'hui, c'est d'expliquer aux Africains, à la communauté, même jusqu'en Guadeloupe, parce qu'on a une antenne en Guadeloupe, c'est d'expliquer aux Noirs comment devenir propriétaire, comment bien gérer ses sous pour y arriver. C'est pas facile. Donc ici, il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont à découvert le 14 du mois, le 10 du mois déjà, ils sont déjà à découvert. Donc ça veut dire en fait qu'ils sont dans une logique financière inefficace. Et c'est ces gens-là, mes premiers clients, c'était ces gens-là, qu'il fallait évangéliser, qu'il fallait former, qu'il fallait leur faire
il fallait vraiment qu'ils se violentent en fait. Parce que c'est des gens qui n'ont aucune éducation financière. Aucune. Donc nous, l'idée, j'ai pris des gens. Par exemple, lui, c'est Alune, c'est un expert comptable. J'ai pris des avocats aussi. Plein de personnes, on s'est réunis, on s'est dit, on va éduquer, on va évangéliser, comme un marabout le ferait, hein, comme un prophète. On va évangéliser la communauté pour qu'ils puissent comprendre, en fait, quand je travaille, c'est pour réaliser quelque chose. On ne peut pas travailler et payer un loyer tout le temps. On ne peut pas travailler pendant 15 ans et se dire, ah, depuis 15 ans, je travaille, depuis 15 ans, je suis à découvert, depuis 15 ans, j'ai réalisé. En fait, c'est cet objectif-là d'Imoki. Et on s'est implanté aussi au Sénégal. Et au Sénégal, on est dans des projets de promotion immobilière, de logement que la diaspora peut acheter. Donc, on est dans cette logique-là. Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier au Sénégal, c'est devenu un objet spéculatif réservé à une élite. Et la masse, que j'appelle la plèbe souvent, parce que la masse, ben, c'est la majorité. Hein. Parce que s'ils avaient compris, peut-être qu'ils seraient riches. Donc nous sommes dans cette phase d'évangélisation. Donc on a un site internet qui s'appelle imokit.sn pour le Sénégal, imokit.fr pour la France. Mais l'idée vraiment, je ne sais pas si vous avez compris, l'idée c'est vraiment la finance, c'est ésotérique. L'assurance, c'est trop compliqué. La banque, personne n'y comprend rien. Comment obtenir un prêt? Personne n'y comprend rien. On a des refus. On se dit, ah tiens, j'ai été voir mon banquier, j'ai un projet. Il dit toujours non, parce que je suis noir. C'est faux. C'est faux. Donc il n'y a pas de racisme en fait. Il n'y a pas de racisme. Les taux pour les noirs, c'est élevé parce que les noirs, ils envoient plein d'argent en Afrique. Leur relevé de compte, c'est toute la famille qui est dedans. C'est du social, c'est plein de choses que les banques n'aiment pas. Justement, moi, mon objectif, c'est de dire, écoutez, toi, tu t'appelles Moussa, ok, tu as été voir 10 fois ton banquier, il t'a dit non. Je vais t'expliquer pourquoi il t'a dit non, parce qu'il ne te l'a jamais dit. Parce qu'il n'a jamais pris le temps de t'expliquer pourquoi il ne va pas t'aider. Parce que si la banque ne t'aide pas, tu ne peux pas s'enrichir. Que ce soit en société, que ce soit en particulier, si la banque dit, toi, je ne te fais pas confiance, je ne vais pas placer mon argent sur vous. Parce que quand la banque vous prête, il place son argent sur vous en mettant en taux. En disant, voilà, ce type-là, je lui fais confiance, je lui pète 300 000 euros avec un taux de 2%, et je fais un tableau avec des flux en disant, ce type-là, je lui fais confiance, pendant 20 ans, il va me payer. Mais lui, s'il ne te fait pas confiance, il ne va pas placer son argent sur vous, ce qui est logique. Mais justement, nous, notre rôle, en fait, c'est d'aider les gens. Tu veux que la banque place l'argent sur toi, donc je vais t'aider. Travaille pas tes relevés de compte. Gère bien tes sous. Arrête d'envoyer de l'argent en Afrique pendant au moins 3-4 mois. Si tu as arrête de dépenser n'importe comment. Prends une assurance vie. Mets de l'argent de côté. Voilà. Donc si vous avez compris, moi, c'est Oumar Khan, juste le fond de tarde. Okay. Merci. Allez, au revoir. Okay, attends. On va te remettre rapidement un diplôme de bafou de Draben. On va demander le temps. Est-ce que le défilé est prêt? Alors, on va demander à Madame Barreau et Penda Cham de venir. Madame Barreau et Penda Cham et Kadiatou Soane et Serine Khaleye. Serine Leye. Celui qui avait le projet, je ne sais pas s'il est Fayoto, il est où? Fayoto. Ok, ce qu'on va faire, on s'excuse vraiment par rapport au timing, mais on va te mettre, tu peux venir quand même, on va remettre quand même le projet. Le but c'était de le présenter aux investisseurs pour que effectivement tu puisses, en s'excusant vraiment, et que tu puisses en profiter en tout cas. Donc Fayoto, n'hésite pas à venir nous voir tout à l'heure. Et on va te mettre les contacts en tout cas. Merci beaucoup à l'assistance. Merci pour Sun Investment. Et là, ça va être le projet, le défi. Oui. Prêt? Donc là, je vais laisser le micro. Bon, moi, c'était Barodem. Hein. Je suis depuis ce matin. Le micro a.
bonsoir pour voir si tout le monde est réveillé dans le public. Est-ce que tout le monde est réveillé? Vous êtes sûr? Bon, petite surprise, enfin, ce n'est pas vraiment une surprise, un petit défilé pour vous. Donc, le défilé de Sajobi, donc, création 100% Sajobi, rien que pour vous. Il va vous en mettre plein les yeux. Il a fait venir des mannequins pour vous. Elles ont été maquillées par des maquilleuses professionnelles. Donc, Sajobi, si tu es prêt, et à la régie, on lance la musique. Donc, c'est parti. Merci, Babadem, pour maître de cérémonie, mais tu vas continuer juste après. Sajobi, c'est à vous. Musique. Il s'appelle Tchelibi, c'est le numéro 7 du morceau. Je vais accueillir Khadi Bay, excellente chanteuse Khadi Bay. Maximum de bruit. Tchelibi, Tchelibi, deux minutes, ça va durer deux minutes, allez, parce qu'on va la laisser chanter quand même, hein. Deux minutes. Yes. Tell me.
dem na Chelibi, Chelibi. En plus de retour. Lao, alay lay la la. Sur les retours. Lay la lao, alay lay la lao. Sama Chelibi, sama Chelibi dem na. Chelibi na na dem na. Chelibi, Chelibi, Chelibi na na lao na. Lay la lao, alay lay la lao. Alay lay la lao. De tonnerre d'applaudissements pour Abbas qui depuis 2 mois travaille sur ce projet. On a traversé des moments difficiles mais aujourd'hui, comme Barack Obama le dit souvent, yes we did it! Mention spéciale à ma femme, Madame Barreau! Mention spéciale à Inifa! IMC! Omar Khan et sa femme! Merci! Yarama!